Il n'y a qu'une seule réponse à l'échec, c'est bien sûr la victoire. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission préférée. Une belle balade cognitive tous les jeudis lorsqu'il est 21h sur la 4 Vision 4 Télévision et la chaîne africaine où les grandes questions contemporaines sont naturellement disséquées à la lumière des spécialistes venus de différentes répartitions géographiques du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier pour honorer de leur présence à ce cocktail de réflexion, à ce festin intellectuel, culturel et culturel. Comme je m'allais dire, c'est le choc des idées, le poids des mots. Attention, mesdames, messieurs, pour cette autre sortie de votre émission sur la 4, une nouvelle thématique qui s'annonce palpitante, émouvante, super captivante et surtout pour les amoureux de la connaissance. On dira tout simplement une odyssée au cœur de la réflexion. Avant de mettre les pieds sur l'étrier, permettez-moi, comme me l'impose la politesse, d'installer confortablement mes chers invités. Je vous reviens juste après pour la suite du programme. Retour sur ce plateau, l'émission est baptisée Au cœur des mystères, une grande première dans le prisme audiovisuel mondial, une émission qui se veut naturellement un centre d'information, un centre de formation, l'épicentre de la connaissance. Alors, fidèles téléspectateurs, prenez naturellement des notes, tout simplement, car les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est une sagesse africaine qui nous l'impose cette logique. Ils sont confortablement installés sur cette tribune Lumière Vérité. Je vais accueillir ces défenseurs de la lumière, ces défenseurs de la vérité. Mokola Bombo, bonsoir et bienvenue. Mokolemba, 40 ans de pouvoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir aux Africains, bonsoir au monde entier qui nous écoute. Je dis bonsoir comme ça là au fan club depuis Garoua, depuis Bédoua et partout dans le Cameroun. Bonsoir au plateau et aux réalisateurs de cette émission. Alors, dans votre mysticisme, je ne dirais pas sorcellerie, parce qu'un sorcier est forcément un jeteur de sort. Alors, vous qui avez pour totem la chèvre, votre chèvre vous a aidé en quoi cette semaine? Oui. Vous avez soigné combien de personnes avec les informations données par votre chèvre? Nous avons aidé beaucoup de personnes. C'est vrai que notre chèvre aussi nous a parlé que nous aurons un deuil. Nous avons perdu l'un des plus grands footballeurs de la région de l'Est, Rabah Madjer, pour ceux qui le connaissent, international cadet. Il a été sélectionné 2 fois. Il est mort le 6 de ce mois. Et il serait, ça levait ce vendredi. La chèvre avait... Alors, votre chèvre vous dit que vous n'avez rien d'aide. Oui. Est-ce qu'elle ne vous a pas donné des mesures palliatives? Est-ce qu'elle ne vous a pas aidé à sauver ce Rabah Madjer? La mort, c'est la réalité des choses. Tout le monde sait qu'il va mourir. Et puis, quand on te met dans un régime où il avait l'infection, et puis on lui dit qu'il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas faire un certain nombre de choses, et qu'il a fait cela, bon, il est mort. Ça ne veut pas dire qu'on va bloquer le destin, ce que Dieu a choisi. Donc, que son âme repose simplement en paix. Merci, que son âme repose en paix. Si on pouvait parler avec votre chèvre, je ne manquerais pas de lui dire un bonsoir à cette chèvre qui vomit le feu. Votre tête. Il est partout là où je suis. D'accord, il est là dans ce studio. Il est ici dans ce studio. Ok, merci. On va accueillir Père Jean-Jacques, il est exorciste. Il nous vient bien sûr d'une tournée du côté de la Damawa. Bon retour, Père Jean-Jacques. Vous êtes exorciste, prêtre de l'Église catholique orthodoxe. Merci, Nathan Amogo. Bon après-midi à vous-même. Bon après-midi à tous mes chers copanélistes ici présents. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Je voudrais naturellement saluer toute la population de Ngaoundéré. Il faut dire que je reviens de Ngaoundéré où j'ai passé pratiquement une semaine là-bas.
D'ailleurs, j'étais logé chez le lieutenant-colonel à Mombo, qui est de ce côté-là, qui nous a offert beaucoup de bonnes choses de ce côté. Donc, je voudrais le saluer particulièrement. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Alors, cette soirée, j'ose croire que nous allons édifier autant que cela se pourra nos téléspectateurs sur la chose spirituelle. Rassurez-vous, ils seront une fois de plus servis. On va accueillir grand maître Mouditan. Il est grand maître d'une école traditionnelle des mystères initiatiques africaines. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Martin. Bonsoir à tous ceux qui cherchent la vérité. Et je voudrais transmettre un bonsoir particulier à M. Ebongé, chercheur inlassable de vérité. Je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs de Ngoro et d'Obala. Merci Monsieur Ebongé qui nous a toujours accompagnés. C'est un aîné qui aime bien sûr ce que nous faisons depuis des années. Il a accompagné l'émission lorsque c'était encore l'embryon radiophonique. On va accueillir grand maître El Hadj Hamidou Fakir. Il est habillé comme un vrai fakir, un vrai mystique. Bonsoir grand maître, bienvenue. Merci, bonsoir Nathan. Bonsoir à tout le panel. Un bonsoir très particulier à Sa Majesté Ibrahim Bobondjua, roi sultan de Bamoun. À Sa Majesté Tchouetchoué Bokoko Rodrigue, roi de Ti, tout ce qui suit cette émission avec beaucoup d'attention. Au fan club qui vient de se créer à Ouagadougou, il y a également un nouveau fan club qui s'est créé à Douala, au niveau de la nouvelle Bonateki, face université de l'eau, où je serai même déjà avec eux dimanche. Également à tous les membres du SIAP et à tous mes pères traditionnels qui m'ont beaucoup suivi depuis la mort de mon papa jusqu'à nous dans le plan initiatif. Merci. L'émission est là et nous allons apporter tous nos efforts pour édifier le monde entier. Merci grand maître El Hadj Hamidou Fakir dont le style vestimentaire aujourd'hui s'apparente à ceux des vrais sorciers que nous voyons dans les films. Mais là, ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Pourquoi cet apparat? Vous vous envolez avec ça? Ah oui, ben je suis un initié, je suis habillé en fakir. Tu peux toucher? Ah oui, il n'y a pas de problème. Okay. Je suis habillé en fakir hindou. Ah oui, c'est la tenue du vénérable maître en Inde. Alors, je suis habillé en cette tenue, juste parce que je suis spirituel et je viens édifier tous ceux qui nous suivent. Merci, on va accueillir un autre panéliste, un autre chercheur de lumière. Lui, c'est un chrétien, d'après ses dires. Il est également Jésus-Christien, c'est la Rose Croix d'Or, Lectorium Jésus-Christianum, une école de mystère. Ils utilisent la Bible, tant bien que mal. Et de l'autre côté, ils sont également des grands initiés qui cherchent un retour efficient et efficace à la patrie originelle. Monsieur Emini, bien le bonsoir. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à la technique, bonsoir à tout le panel. Il ne faut pas dire que nous cherchons la lumière, nous voulons devenir la lumière. Vous avez déjà prouvé la lumière. Nous devons devenir la lumière parce que la lumière, elle est à nous. Donc, il suffit seulement qu'on s'apprête pour pouvoir être, pour pouvoir fusionner avec cette lumière-là. Donc, nous devons devenir la lumière. On ne cherche pas la lumière, mais on devient la lumière. Voilà, à peu près. On devient la lumière. Oui. Alors malheureusement, la thématique à l'échange sur le tétémisme a été conclue la semaine dernière. Forcément, on y reviendra dans d'autres productions. Monsieur Emini, qui n'a pas été là depuis deux éditions, peut quand même refaire une conclusion. Oui, nous voulons dire tout simplement que on a été interpellé par quelques téléspectateurs. Qui nous ont demandé pourquoi on parle de totem, on dit que Jésus est un totem et tout, on leur a dit, les gens qui le disent ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Parce que, et même, vous avez pris un exemple dans la Bible en disant que Dieu a créé Satan. Donc il faudrait dire que tout ce qui est dans la Bible nous concerne au plus haut point, parce que c'est des choses spirituelles qui doivent se passer en nous. Raison pour laquelle on est tous interpellés par la Bible. Donc, nous sommes très interpellés par tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la Bible, parce que ce qui se passe dans la Bible n'a jamais été le passé. C'est tout simplement un présent vivant. Donc, nous devons vivre tout cela et pour que nous redevenions des lumières hein, dans ce bas monde. Donc,
Voilà à peu près ce que nous aimerions dire. Par rapport au totem, il faut dire une chose. Jésus ne saurait être un totem parce que le totem représente, si vous voulez, représente un aspect très inférieur par rapport à l'élévation. Ça a été compris, merci. Jésus ne saurait être un totem. Alors, apôtre Olinga, c'est un tireur d'élite. Bonsoir, apôtre Olinga. Vous êtes le leader de la mission évangélique de la délivrance et du progrès. Bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre, sans oublier la communauté italienne qui se prépare ardemment pour mon arrivée. Également, nous voulons saluer... Vous serez en Italie bientôt. Très bientôt. Au cœur des mystères à porter des fruits. Justement. Au cœur du mystère porte beaucoup de fruits, il faut le dire ainsi, parce que c'est une plateforme qui permet à ce qu'un grand nombre de personnes reçoivent l'édification d'une manière en direct. Et nous venons également dire un bonsoir à la communauté de Sardienne, parce que là-bas, nous avons une grande assemblée. Le pasteur Auguste Tarda qui nous suit actuellement. Bonsoir à toi. Merci. Ah. Pourquoi mission évangélique du progrès? Bon, la mission évangélique de la délivrance du progrès, c'est une révélation. Vous délivrez quoi? Vous progressez où? Nous délivrons premièrement tous ceux qui sont tenus captifs par des forces endogènes. Comme qui par exemple? Comme qui par exemple dans ce plateau? Oui. Oh my God. Monsieur Nathan, je crois qu'on a besoin de gens comme Fakir. Vous délivrez Fakir? Oui, parce que la tenue de Fakir est fraîche ce soir. Je t'assure que si tu n'es pas courageux, comme nous là, Fakir est dangereux. Ok, donc la mission évangélique de la délivrance du progrès délivre tous ceux qui sont influencés par des forces maléfiques, tous ceux qui sont tenus captifs et qui se rendent compte que l'obscurité est en train de les amener à l'évolution. Alors nous sommes là avec la grâce et l'onction de Dieu et la parole de Dieu pour rendre ministère dans leur vie afin qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière. Ah, est-ce que vos prières impactent vraiment sur les gens que vous suivez puisqu'on retrouve les mêmes gens chez les marabouts et tout ça là? Bon, ah, c'est difficile que ceux dont nous suivons à la mission évangélique de la Défense du Progrès, ce sont des gens qui ont fait tous les tours, qui ont parcouru beaucoup de milieux maléfiques, qui sont allés chez beaucoup de marabouts, qui ont fait beaucoup de rites traditionnels. Sont partis chez Fakir? Qui, bon, qui ont fait beaucoup de rites traditionnels, mais jusqu'à là, rien n'a changé. Alors, ils sont venus au niveau de la cathédrale de la Défense du Progrès, ils ont été impactés, ils sont restés fidèles, ils sont attachés. C'est pourquoi nous avons des annexes qui naissent un peu partout, par la grâce de Dieu, parce que les gens voyez le changement de la parole que nous les prêchons. Alors, et on peut dire que vous êtes situé où là? Nous sommes situés. C'est très important aussi. Nous sommes situés sur quartier ensemble, juste à l'entrée du garage japonais. Donc à 50 mètres, c'est là où nous sommes basés. Et nous avons d'autres annexes. Mais si quelqu'un veut véritablement... Alors, moi, je poserai une question, celle de savoir, vous pouvez délivrer Fakir? Je continue à dire que Fakir, c'est quelqu'un que Dieu aime et Dieu va l'amener à la hauteur et il sera libéré. Merci, Dieu l'amènera à la hauteur et il sera libéré. On va saluer également la présence des réservistes qui viendront également nous apporter beaucoup d'eau et bien sûr de rafraîchissement dans ce riche panel, pasteur Abou Karios et maître Mustapha le grand sorcier qui m'a dit en off qu'il a fait pas mal de voyages astro et qu'il est rentré aujourd'hui pour proposer le meilleur de même. Comme on vous le disait, une nouvelle thématique et aujourd'hui on ne manquera pas de souligner l'équipe, la cellule d'écoute critique qui regarde de très près ce que nous faisons. IA est basée à Londres et au quartier Bassot à Yaoundé, géré de main de maître par Mister T. On va marquer un autre arrêt, question de rentrer dans le vif du sujet ensemble, suivant cet élément qui nous a été proposé par une voix, bien sûr, que nous avons emprunté du côté de Satellite FM. Les rêves sont des pensées ou des images mentales se produisant pendant le sommeil. Depuis la nuit des temps, aussi bien des serviteurs de Dieu que des hommes qui ne lui étaient pas attachés eurent tous des rêves. Certaines écritures parlent des rêves venant de Dieu, notamment de la Bible. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6, il est dit, je cite, « Puis Jéhovah leur dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a au milieu de vous un prophète, je me manifesterai à lui à travers des visions. Je ne lui parlerai qu'en songe. Il existe également des rêves dits naturels. Job chapitre 20 verset 8 nous parle d'un rêve envolé qu'on ne retrouve pas, d'un fantasme de la nuit qui fuit au petit matin.
Par ailleurs, d'aucuns parlent des rêves mensongers venant du malin. Le prophète Jérémie nous informe dans son livre au chapitre 20, versets 8 à 9, que depuis longtemps, des prophètes sont venus avant nous et lui ont annoncé pour beaucoup de pays et pour de très grands rois la guerre, le malheur et la peste. Il continue en disant que si un prophète annonce la paix, il faudra que sa parole se réalise pour qu'on sache qu'il est l'envoyé de Dieu. Les rêves évoquent donc tous les aspects de notre vie. Ils peuvent nous laisser entrevoir l'avenir, nous fournir des suggestions pour une guérison ou tout simplement nous éclairer dans nos relations interpersonnelles. C'est d'ailleurs à travers les rêves que les astrologues, les trois mages venus rendre visite à Jésus, ne retournèrent pas vers Hérode qui avait des intentions meurtrières. Au cœur des mystères marque donc ce jour. Attention, Marcel Tungi qui nous a emprunté sa voix depuis Satellite FM, une entité du consortium de presse internationale L'Anecdote. Et rassurez-vous, après chaque fin de série, bien entendu, des émissions, vous aurez naturellement la synthèse de toutes ces émissions qui sera bien sûr un travail de maître de Marcel Tungi, Satellite FM. Ce sont naturellement les innovations de votre production, sans oublier la minute qui sauve. Sans plus tarder, comme vous l'avez si bien entendu, nous parlons du mystère des rêves. Et le premier jet va à l'endroit du grand maître Mibitan. On parlait des rêves. Vous avez suivi ce magnifique reportage de Marcel Tungi. Je voudrais vous poser une question simple. Qu'est-ce que le rêve? Bien, alors, le rêve, pour comprendre ce que c'est que le rêve, il faut d'abord essayer d'appréhender ce que c'est que la réalité. Parce qu'à un moment donné, on peut opposer le rêve à la réalité. Ça veut dire que le rêve représente donc une réalité qui est encore virtuelle, qui n'est pas encore apparue de manière tangible, de manière perceptible par le commun des mortels. Maintenant, il y a aussi le rêve qui représente une aventure d'une partie de notre personnalité qui se promène dans l'environnement qui lui est adapté. Parce que le corps, l'homme, comme il n'est pas seulement un être physique, il a un aspect physique, certes, pour préhender les choses physiques. Il a aussi un aspect vital pour pouvoir vivre dans l'espace vital. Il a aussi ce qu'on pourrait appeler un corps de rêve qui lui permet effectivement de vivre dans le domaine, qu'on peut appeler encore le domaine du rêve, mais le domaine de la terre. En un mot, comme en mille, pour le premier jet, qu'est-ce qu'on retient du rêve? Alors, ce qu'on retient du rêve, c'est donc une aventure qui se projette dans un espace qu'on pourrait appeler un espace astral, hein, un espace qui n'est pas, si vous voulez, physique, qui est hyper physique, mais qui se situe au-delà de ce qu'on appelle la vitalité, mais avant ce qu'on appelle aussi le mental. Merci. On rappelle que les réactions uniquement par SMS au numéro qui s'affiche au bas des petits écrans. Rassurez-vous que vous avez mentionné le code indicatif si vous réagissez au-delà de nos frontières, comme nos amis depuis l'État du Texas, nos amis de Washington DC, nos amis d'Allemagne, d'Angleterre, de la France et bien d'autres pays, encore Haïti, pourquoi pas, avec naturellement le grand maître Guy Fauché qui est en train de mettre sur pied la loge rouge ici même au Cameroun. Guy Fauché, qui est 99e degré de l'ordre des grands bâtisseurs de Melchisedec, c'est l'une des francs-maçonneries les plus pures, d'après ses dires. Alors, M. Emini, nous parlons de rêve. M. Mbutan a déjà émis son premier jet. Quelle est la lecture ou peut-être la définition que la Rose Croix d'Or a chopée par ce mot rêve? Oui, s'agissant des rêves, il faudrait faire très attention parce que. C'est encore dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. On parle de rêve et on parle de songe. Donc, il ne faut pas confondre les deux. C'est vrai, ça a tendance, on a peut-être tendance à les confondre. Mais nous disons que les rêves nous rappellent tout simplement que l'homme n'a pas seulement le corps physique. C'est-à-dire que quand on parle de rêve,
Il faut bien se le rappeler, l'homme a quatre corps. Nous avons un corps physique, nous avons un corps vital, un corps qui nous donne la vie, et puis nous avons un corps astral, c'est ce corps-là que généralement on utilise la nuit, et c'est ce corps-là qui nous sert à essayer de prendre conscience d'un certain nombre d'événements, comme l'a dit notre ami, dans l'astral, c'est-à-dire que c'est un corps astral. Et maintenant, après ça, nous avons un corps mental qui est encore embryonnaire, parce que c'est le corps mental qui est le corps de l'âme. Donc, il faudrait construire ce corps. Donc, le corps astral... Alors, l'image que nous voyons là, c'est... Quel est le corps astral? Quel est le corps physique? On voit une liaison directe. Merci à Daniel Fugueux pour tout ce qu'il fait pour l'émission Cœur du Mystère. Oui, mais le corps physique reste couché, généralement la nuit. L'image là, on voit comment l'image là. Oui, mais c'est pas vraiment une bonne réalité, parce que le corps astral ne peut pas se présenter ainsi. Parce que quand on est couché, il y a ce qu'on appelle la division, l'homme se divise. Hein, le corps astral, le corps physique et le corps éthérique restent en bas. Et maintenant, le corps astral va dans l'astralité de la Terre, si vous voulez, dans l'astralité de la Terre. Mais il faut noter une chose, si vous voulez, on fait ce voyage-là presque chaque nuit, c'est-à-dire qu'on sort, oui. On voyage chaque nuit. Oui, vous sortez, votre corps astral doit sortir. C'est pour ça que Jésus avait dit dans la Bible, il ne faut pas croire que l'homme se nourrit seulement du pain. Mais l'homme, il y a une nourriture astrale qui doit nous servir, hein, et généralement le corps astral va chercher cette nourriture astrale dans l'astralité de la Terre. Mais cela va dépendre de ce qu'on a eu comme pensée. Donc on sort chaque nuit. On sort chaque nuit. C'est pour ça que vous êtes fatigué, parce que vous avez utilisé toute votre vitalité astrale. Vous êtes obligé de dormir. Et quand vous dormez, le corps astral sort. Ça, c'est évident. C'est, tout le monde le fait. Même les chats, les chiens, tous ces phénomènes-là. Merci pour ce premier jet. Pasteur Apôtre Olinga, on sort chaque nuit. Qu'est-ce que le rêve? Vous sortez aussi? Ok, avant d'arriver à cette question-là, je vais dire que le rêve, c'est la série des images ou des représentations qui traversent l'esprit de l'homme lorsqu'il est endormi. Et cependant, nous savons qu'il y a des rêves, comme disait M. Émilie tout de suite, que lorsque le corps physique est endormi, pour certains, les esprits sortent. Et quand ces esprits sortent, ça va se balader. Il n'a pas émis une réserve. Il a dit de manière péremptoire, nous sortons tous chaque nuit, y compris vous-même. Non, moi je ne sors pas tous les nuits, gars. Honnêtement. Donc il faut que, parce que lorsqu'on reçoit des rêves, il peut arriver que Dieu accomplisse une théophanie dans ta vie. Cela veut dire que pendant que ton corps physique est endormi, l'esprit de Dieu te saisit et te montre une série des images sans déplacer ton esprit. Alors, il a parlé ici de songes et de rêves et de visions. Est-ce que vous pouvez établir une différence entre les trois entités? Bon, les rêves, c'est lorsque quelqu'un est profondément endormi dans sa chair, son subconscient saisi par le voyage astral, comme disait, des éléments... Ah, le voyage astral. Comme disait, oui, des éléments qui lui permettent également que lorsqu'il se réveille, il se rappelle que j'ai fait un rêve. Il est quand même sorti. Il est quand même sorti. Donc vous sortez chaque jour? Bon, moi j'ai dit que ça dépend. Mais moi je sors quand je veux. Lorsque je prie, l'Esprit de Dieu peut me saisir. Au cœur des mystères, c'est la vérité. Oui, j'ai dit je sors quand je veux, puisque je suis élevé spirituellement. Aucun spirituel ne peut dire ici sur ce plateau qu'il ne peut pas sortir. Lorsqu'on est initié, et même pour voir certaines choses à distance, on a besoin de faire des prières et l'Esprit de Dieu nous transporte et nous amène à l'étranger. Donc, M. Emilia a raison qu'on sort chaque nuit. D'un côté, il a raison, parce qu'il y a d'autres qui sortent pour aller faire le mal et d'autres sortent pour aller faire du bien. Ok. Merci. Bon, maintenant, s'il faut parler de songe, Nathan, avant de chuter. Oui, songe et vision. Songe et vision. Ici, les visions, c'est lorsque quelqu'un est éveillé et l'Esprit de Dieu l'amène à voir des choses invisibles, mais étant éveillé. Et ces images commencent à se balader devant lui. Ça, ce sont des visions. Donc, on les voit, c'est quelque chose d'une fraction de seconde, tu vois quelque chose. Et après, ta conscience revient en toi, mais tu dis, mais qu'est-ce que je vais de voir? Ça, c'est le cas des visions. Maintenant, les songes, c'est lorsqu'on est légèrement endormi, légèrement éveillé, on reçoit un message, on reçoit une révélation, on reçoit une orientation,
par rapport à un certain nombre de choses. Merci. L'émission est uniquement interactive par le canal des courriels, uniquement des SMS. Le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, mentionnez le code indicatif du Cameroun, plus 237, suivi des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, Moko Limba, 40 ans de pouvoir, on parle ici des rêves. Vous les initiez. Vous aimez brandir cette étiquette. C'est pas si c'est pour faire peur aux gens. Monsieur Minia a été clair qu'on sort tous les jours. Alors, oui, Laurent Balagoué pense que le rêve, c'est quoi? Oui, le rêve, c'est la réalité. Je suis même derrière Monsieur Emini, parce que le rêve, c'est la réalité. Tout le monde sort dans la nuit, même comme l'apôtre a voulu discuter encore. Mais en réalité, parce que tous les êtres humains, tout le monde qui respire, qui a en lui le souffle de vie, doit sortir dans la nuit. On sort mystiquement? Ce n'est pas mystiquement. C'est-à-dire, ça dépend de la manière dont l'homme, l'être humain, on l'arrange dès le départ, dès sa naissance. Si on t'a orienté pour détruire, pour faire du mal. On n'est pas encore là-bas. Oui. Nous voulons comprendre d'entrée de jeu qu'est-ce que le rêve. Est-ce que tout le monde rêve d'abord? Tout le monde rêve. Parce que celui qui ne rêve pas, c'est un cadavre. C'est-à-dire? Il est mort, il ne respire plus. Mais celui qui respire, qui vit encore, doit rêver. Doit rêver. Parfois, ça peut te montrer des événements. Ça peut te montrer des choses qui vont arriver. Donc vous sortez chaque nuit, vous passez souvent. Je sors chaque nuit pour aller chercher ce que je dois travailler par rapport au cas que j'ai à gérer. Avant de dormir, j'ai prié d'abord. Tu pries qui? Je prie Dieu, parce que c'est quel Dieu? Dieu, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est au ciel. Celui-là même qui est au ciel, ce n'est pas le Dieu qu'on prie dans les églises réveillées, c'est le Dieu qui est au ciel. C'est le Dieu de la chèvre. Alors. Oui, c'est lui que je prie. Le Dieu de la chèvre, c'est lui que vous priez. Oui, le Dieu, celui qui a initié la chèvre, celui qui a placé la chèvre là-bas, c'est lui que moi je prie. Et quand je prie, il m'oriente, il me montre les événements qui vont arriver demain ou après-demain. Il me dit déjà ce qui va arriver. Je sors dans la nuit, tout le monde sort dans la nuit. Et c'est pour ça que donc, quand tu sors souvent, il t'arrive souvent aussi d'aller un peu faire la sorcellerie. C'est d'aller jouer dans la nuit. Tout le monde a deux esprits. Tout être humain a deux esprits. Il y a l'esprit charnel, c'est-à-dire le corps qui reste, comme on a montré tout à l'heure. Et il y a l'esprit qui sort dans la nuit. Vous voulez parler du corps et de l'esprit? Oui, le corps et l'esprit. L'esprit sort dans la nuit et le corps reste. Tout le monde, tous les êtres humains, même si c'est qui respire sur terre, que ce soit les présidents de la République, que ce soit voilà, tout le monde, lui. Voilà, c'est comme ça que tout le monde doit rester dans la nuit. Et l'autre corps part pour aller se balader, pour aller chercher. Parce que tu ne peux pas rester là. Si tu restes là, ça veut dire que tu es déjà quelqu'un qui est mort. Parce que quand tu quittes là, tu pars une fois. Mais il y a certains même qui partent et qui ne rentrent même plus. Qui restent, oui, qui ne rentrent pas souvent. Il part à l'eau. Il part à l'eau. Quand c'est un sorcier, celui-là qui a fait la sorcellerie, qu'on veut peut-être bloquer son corps, on vient mettre les remèdes sur ce corps. Donc on peut mettre les remèdes sur le corps quand vous sortez. Oui, on peut mettre les remèdes. Pourquoi? Ça, c'est dans la sorcellerie. Quand c'est dans la sorcellerie, on met les remèdes dans ton corps. On sait que c'est toi qui passes ou on fait la sorcellerie, peut-être dans tel endroit. On regarde ça dans les visions, des initiés regardent. Et on sait que c'est toi qui sors souvent pour aller faire la sorcellerie. Et maintenant, on compose des remèdes et puis on frotte sur toi. On bloque l'esprit. Oui, quand tu pars là-bas à la sorcellerie, en rentrant maintenant, tu viens trouver que ton corps est à gâter. C'est à arranger. Tu ne peux plus entrer dans ton corps. Maintenant, tu as deux corps maintenant. C'est pour ça que tu vois souvent, certains gens tombent souvent, on attend qu'il est tombé dans une toiture, c'est monté, c'est descendu. Merci. Mon père, vous faites beaucoup d'exorcismes. Ici, on rappelle quand même que nous devrions avoir aujourd'hui un professeur de psychologie et un ethnopsychiatre qui devait également nous accompagner, Nathan Toby, qui devait nous accompagner dans nos prochaines éditions sur l'aspect scientifique et technique. Rassurez-vous, il sera là. Alors, mon père, Père Jean-Jacques, on parle ici des rêves. Oui, merci Nathan Amougou. Je voudrais déjà ici souligner que vous avez bien vu l'embarras quand les uns et les autres pour pouvoir définir même le rêve. Parce qu'en réalité, le rêve reste très très complexe. On ne saurait véritablement apporter une définition de manière claire au rêve. Par exemple, vous allez voir qu'il y a une image qui défile là où quelqu'un est couché et puis un peu de lui sort. Vous allez voir que les gens confondent par exemple cela. On parle de rêve et tout, mais c'est plutôt un dédoublement. Ce que vous avez vu là, cette image, c'est un dédoublement. Et là, ça entre exactement dans le cadre de la sorcellerie.
pour parler de manière simple. Ça veut dire que quelqu'un qui dort, il fait un dédoublement, son corps astral sort de son corps physique et puis il s'en va faire des mauvaises opérations. Là, c'est un dédoublement. Maintenant, le rêve en lui-même, vraiment pour être très simple, on va pas, parce que vous soyez initié ou pas, tout le monde fait des rêves. Mm-hmm. Voilà pourquoi je voudrais dire tout ici. Tout le monde que, non, tout le monde fait des rêves. Le rêve, en fait, c'est le fait, justement, d'être couché, de s'endormir et de revivre certains événements. Parfois, ils peuvent être réels ou alors prémonitoires. Parfois, ça peut être des fictions ou alors le refoulement de ce que votre cerveau a pu garder, soit dans des événements que vous avez vécu durant toute la journée ou bien même... Alors, lorsqu'on rêve, quelle est la partie qui sort? C'est la partie immatérielle de l'homme qui sort? Bien sûr, c'est l'esprit. Vous savez que l'homme est fait de... Donc chaque personne sort alors? Oui, je ne vais pas sortir. Attendez. Oui. Soyons clairs. Hein? Soyons clairs. Quand on dit sortir, c'est un peu comme si... Parce que celui qui sort sait qu'il est vraiment en train de sortir. Alors que celui qui rêve ne sait pas forcément qu'il sort. C'est-à-dire que ça le sort quand même. Ça le surprend. Pourquoi vous insistez sur sortie? Non. Celui qui fait le rêve. Nous voulons comprendre les fondamentaux pour avancer, parce que c'est l'émission zéro du mystère des rêves. Alors ici, on a parlé des différents corps. Tout le monde ne sort pas. Tout le monde ne sort pas. Celui qui sort. Parole d'un prêtre. Celui qui sort, comme on dit, sortir la nuit. C'est celui-là qui n'est pas fait certaines opérations et qui maîtrise son corps astral. Merci. Parce que les initiés peuvent maîtriser leur corps astral, c'est-à-dire les prêtres, par exemple, les pasteurs, les traditionnalistes, si vous voulez, maîtrisent parfois leur corps astral. Par contre, le simple fidèle, si vous voulez, une simple personne ne maîtrise pas forcément son corps astral et donc il subit tout. Il y a par exemple des prêtres pour faire de certains traitements à certaines personnes, ou alors des exorcistes, comme vous dites, je suis exorciste, pour faire certains traitements, sont obligés justement là de sortir. Mais sortir. Mais là, nous parlons de rêve. Si on restait dans justement, le mystère, là, ce n'est pas le rêve. Pourquoi je parle de dédoublement? Il faut faire très attention. Le rêve, vous le suivez. Non, mais ne mélangez pas les pédales. Nous sommes encore dans le rêve. Qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est le fait, n'est-ce pas, de dormir et de subir certains événements que vous avez parce que vous avez vécu tout au long de la journée ou bien par le passé ou alors qu'on vous impose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un malheur qui va arriver et vous faites un rêve, ça arrive effectivement. Nous arriverons au type de rêve. Grand maître Elhadj Amedou Fakir, avant de vous passer la parole, les téléspectateurs ont décidé de réagir puisqu'ils m'ont eu un offre. On va prendre quelques réactions avant votre premier jet. Bonsoir le King, bonsoir à tout le plateau. Sachant que tout ce que Dieu a créé est vie, mais tout vient par le cœur de celui qui l'oriente à ses propres fins, car toute chose est sous l'autorité de l'homme, bon ou mauvais, car l'homme ne crée pas, n'invente pas, mais découvre juste ses... Paul depuis Biting, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Bonsoir, King Nathan. Alors, ça commence à venir en série. Alors, grand maître, on parle des rêves. Le pasteur, le prêtre et monsieur Emini, ici, ont déjà émis leur premier jet sur cette thématique qui s'annonce caniculaire. D'accord. Oui, avant déjà de répondre, Nathan, il faut déjà savoir que le grand maître n'a pas besoin d'être libéré, comme venait de dire l'apôtre. Bon, déjà, sur la thématique du jour, le rêve, on doit comprendre que le rêve, c'est un message que Dieu a fait sur ses êtres pour annoncer certaines nouvelles qui peuvent être du passé, du présent ou de l'avenir. Mais cependant, il y a aussi des rêves, comme vous avez vu tout à l'heure dans la télé, quelqu'un qui... Qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est le message. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'à travers le rêve, nous pouvons avoir des messages qui doivent nous... Quand quelqu'un dort, quel est le processus qui sanctionne le rêve? Oui, déjà quand tu dors, Nathan, tu dois savoir qu'il y a deux façons de rêver. Les deux façons, c'est comment nous, les initiés, nous préparons nos rêves pour sortir... aller dans l'astral, peut-être faire certains travaux. Ne parlons pas d'abord de vous les initiés, parlons du commun des mortels. Oui, parce que cette thématique ne concerne pas seulement les initiés, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que le rêve? Tout le monde rêve. Le rêve, c'est un message que Dieu passe à travers ça pour donner certaines nouvelles qui peuvent... Jusque-là, je ne vous comprends pas très bien.
Oui, c'est ça que je dis, que le rêve... Ça se passe comment lorsque je vais m'endormir, je ferme les yeux? Oui, quand tu fermes les yeux, Nathan, dès que tu fermes maintenant les yeux et tu dors profondément, Dieu peut t'inspirer quelque chose que tu as vécu. Par quelle alchimie, pour qu'il m'inspire, il faut qu'il y ait contact. Quel est donc le lien entre Dieu et moi? Pour qu'il y ait une communication, il faut quand même vous rappeler les basiques grand maître. Il faut un émetteur, il faut un récepteur, il faut un canal, il faut un référent. Et le message vient après. Le code même aussi. Alors, comment est-ce que ça se passe? Bon, il y a ceux qui ne préparent pas. Vous êtes initié, dites-nous terre à terre comment ça se passe. Ceux qui se préparent avant d'aller dormir par la prière, ils peuvent également avoir des rêves. Il y a certaines personnes également qui peuvent... Je veux le cas général. Dans le cadre général, tout le monde rêve. Et ça se passe comment? Ça se passe que quand tu dors, l'esprit sort. Parce que le corps que vous avez... Vous aviez peur de dire que l'esprit sort? Non, mais c'est ça que je dis. Non, l'esprit sort. Vous avez vu tout à l'heure comme ce qu'on a déposé. C'est l'esprit qui est sorti. Ah. Et le corps qui est resté là, c'est le corps physique. Parce que le corps, voilà le corps astral qui part. Et le corps physique est resté. Ça part où? Non, ça part dans l'astral. Et comme vous voyez là, quand quelqu'un voyage comme ça, si c'est quelqu'un qui part peut-être pratiquer de la sorcellerie, et il arrive et il est bloqué, il ne doit plus intégrer son corps physique que vous avez vu là. C'est là où il y a problème. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux manières de rêver, parce qu'il y a le rêve qui peut se préparer. On n'a pas encore parlé des types de rêves, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Alors voilà, pour entre vous les maîtres, vous pouvez également vous apporter des secours. Hein. Ici, grand maître a finalement accouché. Il s'est sorti de son corps. Peut-être l'expression qu'il ne voulait pas. Hein? Bien. Alors, au risque de nous répéter, malheureusement, la question que Nathan pose à grand maître Fakir donne l'impression que vous voulez qu'il décrive même le mécanisme. C'est de ça qu'il est question. Ce sont les initiés. C'est vous les initiés, non? Le mécanisme, le voici. Vous avez un corps physique. Mais vous n'avez pas que ce corps, il y a d'autres corps. Quand vous vous couchez, qu'on appelle un rêve, qu'on peut appeler un rêve paradoxal. Ça veut dire que le cerveau est en train de se décharger. Vous n'êtes pas encore en train d'entrer dans le domaine astral. Il n'y a même pas encore eu division de la personnalité pour que les autres corps montent vers les domaines correspondants. Mais il y a d'abord un sommeil paradoxal, donc vous commencez à rêver de telle sorte que c'est ce que vous avez vu dans la journée qui, les cellules du cerveau commencent à se décharger, et ce moment-là se situe entre le moment où vous vous couchez et les premières heures de votre sommeil. Après ça, vous allez plus loin, c'est-à-dire la division dont se fait normalement, il y a division dans de la personnalité. Alors, est-ce que chaque individu subit les mêmes mécanismes? Absolument, de manière naturelle. Et ça, je partage, notre ami disait tout à l'heure, les animaux font ça, les chats font ça et tout. Donc, parce que tous les animaux ont un corps de rêve, un corps du désir. Donc, tous les animaux aussi, comme les hommes, rêvent. Maintenant, quand vous avez quitté cette phase, La personnalité se divise. Maintenant, vous pouvez continuer votre processus naturel et vous entrez dans le domaine astral de la Terre, où vous allez vivre dans le domaine qui correspond à votre état de conscience et à la vie que vous menez dans la journée. Pour être plus concret, lorsque par exemple vous êtes trop préoccupé de la recherche d'argent, dès que vous déposez votre corps, vous traversez cette première phase, le déchargement des cellules, vous entrez maintenant dans le domaine astral et vous aurez tendance à aller voir avec votre corps astral là où se trouve l'argent. Par exemple, vous allez rôder autour des banques, dans les marchés, partout où il y a les réunions, les cotisations d'argent, et vous rôdez autour de ces endroits pour pouvoir satisfaire votre désir que suscite votre corps de rêve en question. Maintenant, dès que vous avez quitté cet aspect-là, vous pouvez donc, en fonction de votre état, de ce qui est votre préoccupation, si votre préoccupation, par exemple, c'est la pureté, vous chutez par là. Vous voulez absolument entrer dans la vertu, donc vous libérez de toutes les pesanteurs, de tout ce qui vous lie fortement à la matière, la tendance va être donc que vous entriez dans l'astral
le plus élevé parce que l'astral de la Terre... Qu'est-ce qu'on va même chercher dans l'astral? Mais bien, il y a naturellement, vous allez dans l'astral pour vous recharger. Je dis naturellement. Mmh. Mais maintenant, il y a des gens donc qui y vont en faisant ce qu'on appelle la projection astrale. Merci. Ça veut dire consciemment, ils décident en pleine conscience. Mmh. Il entre dans le domaine astral et il est conscient de tout ce qu'il est en train de faire. Dans cet astral. Oui, mais malheureusement, ça demande absolument d'être dans une posture d'endormi, car si vous n'êtes pas endormi, l'opération ne se passera pas convenablement. Maintenant, dès que vous vous endormez... C'est l'opération mystique ou initiatique? Bien sûr, elle est mystique, parce que l'initiation, ce n'est pas forcément en se projetant dans l'astral. L'initiation, c'est la modification que vous apportez à votre être tout entier, pour que vous puissiez libérer au fur et à mesure la potentialité universelle qui, elle seule, peut vous arracher des contraintes, de la pesanteur, pour que vous puissiez vous élever dans un domaine le plus élevé possible. Et c'est là où, quand précision, on parlera des visions, des songes, on pourra donc décrire très bien. On y reviendra tout à l'heure. Bonsoir, le King Nathan. À quand le débat musulman Ousmane au Burkina Faso? Allez à Google savoir ce qui s'est passé. Il est encaissé 6 mois. Monsieur Ousmane, donc vous allez comprendre pourquoi. Hein? Google, tapez Nathan Amogo, le monde entier en sait quelque chose. Alors, monsieur Emini, on se rend compte que vous vous rapprochez du grand maître Mobitan aujourd'hui. On parlait de cet esprit qui va se balader dans les plans akashiques de la Terre. Pourquoi cette balade dans les plans akashiques? On va chercher. Non, disons qu'on ne se rapproche pas de... Monsieur Mobitan, c'est un enseignement universel. Et l'enseignement universel dit que on ne se nourrit pas seulement du pain. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une autre nourriture. Raison pour laquelle... C'est une nourriture qu'on va trouver là-bas. Oui, vous avez besoin de la nourriture astrale. Et cette nourriture astrale apporte de la vitalité à votre corps éthérique, votre corps vital. Et ce corps vital va servir, va entretenir, va soutenir le corps physique. C'est pour ça que quand vous êtes fatigué, vous devez fatalement dormir. Et il y a la division des corps, et le corps astral va dans l'astral rechercher des éléments astraux pour pouvoir venir soutenir le corps vital, et le corps vital va soutenir le corps physique. Et généralement, même ce que vous ne savez pas, généralement il y a beaucoup de maladies qui proviennent de l'astral. Hein? Oui, il y a beaucoup de maladies que vous prenez dans l'astral. Donc, il faut faire très attention. Disons que on ne parle pas de l'esprit parce que... Est-ce qu'on peut dire que Ebola serait venu de l'astral? Ebola, non. Non, Ebola, c'est pas de l'astral. Ebola ne vient pas de l'astral. Quelles sont les maladies qui peuvent provenir de l'astral? Nous sommes au... Oui, les maladies qui proviennent de l'astral, vous avez par exemple le cancer. Oh. Le cancer provient de l'astral. Raison pour laquelle il est quand même assez difficile de soigner le cancer. Donc le cancer provient de l'astral, donc ça dépend des fautes que vous aviez commises, par exemple les fautes... Alors, monsieur Emini, je voudrais savoir, quelles sont les images, qu'est-ce qu'on voit dans l'astral? Est-ce que vous sortez, vous? Est-ce qu'on sort, nous? Est-ce que vous sortez souvent? Oui, oui, nous sommes un phénomène naturel. Ça veut dire que quand on dort, il y a une division de la personnalité. Qu'est-ce que vous voyez souvent là-bas? C'est-à-dire que quand vous avez pensé à votre père, vous rencontrez votre père dans l'astral. C'est lui-même. Vous causez avec lui, il vous dit, bon, mon fils, voilà, vous croyez que vous êtes même chez vous. Hein? Donc, ça dépend de l'orientation. Parce que c'est vous qui orientez votre corps astral dans l'astral. Hein? Donc, si vous orientez votre corps astral à partir de vos désirs, à partir de vos sentiments, à partir de tout ce que vous avez eu comme pensée, vous l'orientez dans une partie de l'astral. Donc, vous allez rencontrer des phénomènes. Par exemple, vous allez rencontrer des marabouts. Si vous êtes dans des systèmes de maraboutage et tout, vous allez rencontrer des marabouts. Si vous êtes dans les... Vous voulez soigner des gens, vous allez rencontrer des gens qui vous disent, voilà, telle herbe qui doit soigner telle chose et tout, dans l'astral. Donc, on s'amuse pas avec l'astral parce que c'est l'astral qui commande ce monde. L'astral est invisible et c'est le monde invisible qui commande le monde visible. Donc, nous allons tous, nous sommes d'abord des phénomènes... On prend cette réaction qui va dans le même sens. Bonsoir King Nathan, je recommandais mes rêves lorsque j'étais gosse. Et puis, ce n'est plus le cas. Patrick depuis Lyon recommandait ses rêves.
Oui, on recommande les rêves. Que c'est impossible. Les rêves, à partir du moment où vos désirs, vous avez désiré quelque chose, vous aviez dans vos pensées, vous avez pensé à cette chose-là, et la nuit, vous vous retrouvez avec cette chose-là dans l'astral. Ça veut dire que si vous causez avec ma défunte mère, je peux causer. Oui. Si vous avez pensé à votre mère toute la journée, la nuit, vous serez avec votre vieux. Est-ce que c'est elle ou bien juste une image? C'est votre mère. C'est pas son image. C'est tout son corps astral que vous retrouvez. Parce que le corps astral, c'est-à-dire que le corps astral, pour se dissolver dans l'astral, le corps astral met facilement 700 ans. Entre 700 et 1200 ans. Oui. Pour se dissolver, c'est-à-dire que pour s'évaporer. Donc le corps astral met entre 700 et 1200 ans. Donc, ne soyez pas. Est-ce que vous pouvez me donner ces formules pour entrer en contact avec les miens qui sont partis? Mais pensez à votre mère toute la journée. Vous allez rencontrer votre mère si jamais elle est décédée. Vous allez la rencontrer. D'accord. Mon père voudrait réagir. Père Jean-Jacques, on parle des rêves. Et M. Mini vient de nous faire des révélations fracassantes, importantes, captivantes à la limite. Non. C'est faux et absolument faux. Comment ça? Vous ne pouvez pas, sur le simple fait que vous avez pensé à quelqu'un, et vous commencez à le voir la nuit. Tenez, monsieur Emini, ne sait pas que il y a des forces négatives, c'est-à-dire que des sorciers, des démons qui sont tout autour de vous, et qui parfois, il suffit que ces démons se rendent compte que vous sortez certaines pensées, ou alors vous sortez des paroles. Ma mère me manque, elle est partie, mon papa me manque, il est parti depuis, et tout. Ces sorciers-là, ces démons-là, prennent l'image de votre maman et viennent dans votre rêve pour venir naturellement poser des actes. Vous aussi. Poser des actes parfois qui vont vous enfoncer dans soit des problèmes, soit des maladies. Tout à l'heure, vous avez vu que les maladies qu'on peut porter, effectivement, il y a des maladies qu'on porte dans le subconscient, ou alors quand on est en train de rêver, ou bien quand on dort. Par exemple, il y a des couches de nuit, là c'est plus mystique. Sauf que les couches de nuit, par exemple, les dépôts... Nous ne sommes pas encore là-bas. D'accord, là, je voulais entrer à l'intérieur. Mais je voulais simplement dire que c'est faux. Pas parce qu'on est pensé à vous. C'est faux ce que M. Ministre. Non, non, c'est très faux. Il ne faut pas dire ça aux gens. Il faut dire aux téléspectateurs que non. On ne peut pas penser au père Jean-Jacques toute la journée. Et puis, dans la nuit, on le voit. Mais pour les 40 ans, on ne pouvoir penser que ce que vous dites n'est pas vrai. Oui, mais parce qu'eux, ils se disent que la vérité se trouve dans les églises. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire ceci, ils sont en train de dire. Il y a des réalités, il ne faut pas qu'on doit croire que tout ce que M. Milibe dit ici, ce n'est que du faux. C'est aussi un être humain comme nous, comme lui et nous tous ici là. Donc il y a certaines choses qu'il dit qui sont très importantes. Même nous, on a eu les mêmes raisons. Il a raison parce que même dans la tradition, quand on nous a appris, j'ai fait 9 ans en forêt, on nous a appris, quand tu penses à quelqu'un, tu le vois dans la nuit. Le pouvoir de la pensée. Oui, le pouvoir de la pensée. Quand tu penses à quelqu'un, tu le vois dans la nuit. Là, tu n'as pas demandé de faire du mal à quelqu'un. Il ne faut pas que la sorcellerie n'est pas seulement mauvaise. La sorcellerie peut aussi être une bonne chose. Moi, je suis un sorcier. Mais je suis un sorcier. Et même quand je veux peut-être partir pour délivrer quelqu'un dans la nuit, il y a les chansons qu'on peut chanter pour que... Tu sors en vampire. Oui, pour que je sorte dans la nuit, il y a les chansons. Par exemple, Bonglo, 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 Dinga, Dingaza, Bonglo, Oui, mon dadou, comme un bain, Madoua, un bain, comme ça, ouais, qu'il y a... Donc, quand tu as chanté comme ça, monsieur Nathan, c'est-à-dire, tu es en contact direct avec celui-là que tu as envie de voir dans la nuit. Donc, il ne faut pas que le prêtre pense que ce que monsieur Emine dit, ce n'est que... Voilà, par exemple, la chef. Quand vous voyez autour du feu, c'est comme ça que ça se passe. Il parle, il dit que ça va se passer comme ça et ça se réalise en journée. Alors, est-ce qu'on peut rêver sans dormir? C'est une question qui nous vient de Cotonou. Kadouke, depuis Cotonou. Est-ce qu'on peut rêver sans dormir? Moi, je pense que c'est non. Il faut d'abord dormir avant de rêver. Parce que si tu restes comme ça, c'est la pensée. Mais le rêve, c'est quand tu dors. Alors, Apôtre Olinga, vous avez suivi cette chanson, certainement, et il n'était plus avec nous. On parlait du rêve. Et d'ailleurs, nous sommes déjà, il est pratiquement 21h passées de 50 minutes. Beaucoup de choses sont en train. J'ai vu son esprit voulait sortir de son corps. Ah, son esprit voulait sortir. Oui, pendant qu'il chantait, je disais que s'il continue, j'allais bloquer ça, oui. Je bloquais ça et puis il restait coincé. Une partie était. Donc il voulait sortir. Il voulait sortir. Il voulait sortir. Lui-même, il sait ça. Il voulait partir.
Mokulimba, est-ce que c'est vrai que vous voulez sortir? Je ne voulais pas sortir, c'est que on a même... Est-ce que tu l'as testé? J'ai testé, ce sont les femmes, je vous avais dit. Jamais, ce sont des femmes. C'est parce que j'étais localisé que tu es venu descendre. Ce sont des femmes, localisé. Je t'avais à bloquer. J'avais dit ici, il restait que je scelle. Dès que je scelle le corps, là, c'est fini pour toi. Si je chante seulement deux ou trois chansons ici, les gens se vont sortir en courant ici, là. Rien que les chansons. Moi, je te dis, ce sont des chansons qui frappent. On a une chanson qui frappe chez nous. Quand tu chantes, ça veut dire toi-même, toi, tu te lèves, tu pars. D'accord. Parce que tu n'es plus là. Il a quand même vu, voilà. C'est ce qui est intéressant. Monsieur Nadam, il a dit, après, son... il voulait sortir. Il voulait sortir. Je me rappelle, il y a que cela. Et pourquoi il n'est plus sorti? Dans sa première... Parce qu'il a vu comment j'étais en train de me déplacer pour l'attraper. Il faut qu'il comprenne ces choses, qu'on connaisse ces choses-là. Donc, il faut que... Moi, je suis en train de dire que Monsieur Nathan, il a dit... Ah, ça devient intéressant. Oui, à l'introduction, il a dit quelque chose que... Lorsque quelqu'un sort de son corps physique, on peut bloquer son corps physique. Quand il revient dans son corps, il est coincé, donc, il meurt. Bloqué, alors. Alors, donc, il a voulu déjà se déplacer par ses hymnes de l'esprit. Et il fallait juste que je me fâche et puis je bloque. Donc, si tu insistes encore une minute, ça allait être terrible. Grand-maître Fakir, nous sommes dans l'erreur et la phase pratique est en train de se, voilà, de se mettre sur pied. Oui, pour la première fois, je suis très d'accord avec M. Émilie parce qu'il y a la force de la pensée. Et puis, à ce que je pouvais ajouter, à ce qu'il a dit, lorsque tu penses à quelqu'un qui est mort et que tu ne t'en sors pas, tu dois refaire recours plutôt à ton ange gardien. L'ange gardien d'une personne, lorsque tu le maîtrises correctement, surtout l'ange physique, tu communiques avec lui pour faire un voyage astral. Tout ce que M. Emini a dit, ça doit se réaliser. Parce que moi-même, j'entre en contact avec ma grand-mère régulièrement pour qu'elle me montre les remèdes, pour que je rentre ici soigner les gens. Alors, est-ce que vous qui êtes également un initié, c'est que l'apôtre dit là, est-ce que c'est vrai? Non, c'est le mensonge. Il connaît quoi? Ça, c'est le mensonge. Il va maîtriser qu'il connaît d'abord quoi. Il n'est pas initié. C'est dans son thématique de la Bible qu'il explique, mais il dit qu'il peut bloquer un initié traditionnel. C'est le mensonge. Qu'il chante. Mais il dit quand même que Mokulimba reconnaît qu'il voulait sortir. Est-ce qu'on sort gratuitement? Il a chanté. Non, lui-même il a reconnu qu'à travers il a reconnu comment tu veux qu'il voulait sortir. Mais ça c'est quand il est couché dans sa chambre. Mais quand tu es couché dans sa pensée. Non, ça c'est quand tu es couché dans sa pensée. Je n'ai pas dit que je sors ici. J'ai dit que je le fais quand je vais sortir. Que tu voulais, il y a toi-même sorti. On va prendre quelques SMS pour revenir. Le mystère des rêves, vos réactions uniquement par SMS au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. On dit bonsoir au Nanananja qui est avec nous. Bonsoir, Carlos en Angola. Non, c'est faux, c'est-à-dire les femmes de nuit sont des femmes réelles. Hein? Les femmes de nuit seraient des femmes réelles, Carlos, depuis l'Angola. Bonsoir, le King. Oh là là, ça plante là. Beaucoup de réactions. Monsieur Moubitan. Je vais me replier vers vous. Question, bien sûr, d'essayer d'avancer. Ici, les défis, ça commence à être intéressant. Les uns et les autres, il faut quand même avouer que Mokulimba a reconnu qu'il voulait sortir et la peau l'a localisé. Les choses commencent Non, Nathan. Je voudrais noter quand même une chose qui est vraie. Mm-hmm. Une chose qui est vraie, c'est qu'on peut, à travers des mantras, mm-hmm. des incantations et tout cela, comme ça a été le cas tout à l'heure, mm-hmm. on peut modifier l'état, si vous voulez, la texture même mm-hmm. de son sang. Et on chasse les autres corps, même pendant qu'on est éveillé. Voilà. C'est possible. Mm-hmm. Tout à l'heure, le prêtre parlait du dédoublement. Alors, en opposition, il opposait cela au rêve. Effectivement, parce que vous pouvez vous dédoubler, même étant éveillé. Justement. C'est-à-dire, vous quittez d'ici, vous allez ailleurs, vous laissez votre corps physique ici, et vous allez faire ce que vous voulez faire partout ailleurs où vous voulez. Et la distance n'empêche absolument rien. Maintenant, ce qui est aussi vrai, tout à l'heure, il y avait comme une opposition entre ceux qui disaient que quand vous pensez fortement à quelque chose, vous la voyez en rêve, et les autres qui disaient, attention, il y a des entités qui sont dans les domaines invisibles qui peuvent vous profiter du fait que vous êtes en train de penser à quelque chose, et ces entités viennent effectivement
Vous donnez l'impression que c'est votre père ou c'est votre mère et tout. En fait, les deux ont raison. Je ne vois pas l'opposition par rapport à ça. Mm-hmm. Mais la différence qu'il faut faire, c'est que celui qui est conscient, celui qui a travaillé, qui a développé, par exemple, une très grande force de volonté, lui, il peut effectivement développer et penser fortement et se mettre en résonance avec l'objet de sa pensée. Mais là, il y en a qui sont passifs. Ça veut dire qu'ils ne savent rien. Ce qu'on appelle communément Kamu Kulimba parle. Il vous dit non, celui-là, il n'est rien. En fait, c'est de ce genre de personnes dont il parle. C'est des personnes qui n'ont pas des pouvoirs particuliers, mais ces personnes donc peuvent être facilement influencées par des entités dans l'invisible. Et je prends le cas des pasteurs. Et permettez-moi donc de préciser quelque chose. Parce que nous sommes dans le domaine du rêve, certes, mais vous savez, c'est là où il y a une grosse imposture dans le domaine astral. Où, par exemple, les pasteurs, je prends d'abord cela, à force de prier, à force de jeûner, à force de faire des privations, à force de crier le nom de Jésus et consorts, ils modifient leur état de conscience et ils se retrouvent souvent donc en train de voyager et de rencontrer même des figures qu'ils appellent Jésus ou quoi que ce soit et tout cela. Ça, c'est des phénomènes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que notre corps qui est là, notre corps physique, comme nous avons le sang, dès que vous modifiez, même par la simple respiration, et ce n'est pas les adeptes des écoles ésotérico-mystiques qui me démentiraient, même par la simple respiration, vous pouvez faire en sorte que l'état de votre sang change. Merci. Vous pouvez arrêter la respiration momentanée de votre corps. Nous y arriverons à des phases pratiques. D'ailleurs, Bhakti Yoga sera certainement là pour nous expliquer. On va prendre une autre respiration et on vous revient juste après, rappelant que l'émission est interactive et uniquement par SMS au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. N'appelez pas notre ami de UCD qui voudrait nous avoir à tout prix et à tous les prix. C'est uniquement par SMS et si vous réagissez au-delà de nos frontières, les codes d'accès qui s'inscrivent plus 237 suivi des numéros vous serviront de passerelle gratuitement. On respire et on revient juste après pour la suite du programme. Retour sur ce plateau et on va lire naturellement les réactions. Bonsoir King Nathan. Tes thématiques sont aussi alléchantes les unes que les autres. Le SMS n'est pas signé. Priez de signer vos SMS. Le rêve est scientifique. Celui qui ne rêve pas va droit à la folie. Kouliadiati à Gaïri. Gaïri. Bonsoir monsieur Amougou, Bujumbura vous soutient de tout cœur. Merci. Pourquoi les sorciers ne font pas la sorcellerie pour rester en vie au lieu de mourir? Je ne sais pas si c'est en lien avec la thématique inscrite à l'ordre du jour. On va accueillir le pasteur Abou Karios. Pasteur Abou Karios, bien le bonsoir et bienvenue. Nous sommes dans la thématique et chacun, tout le monde sort de son corps. Bonsoir Nathan, je salue tous ceux qui sont devant le petit écran pour nous regarder ce soir. Je voulais d'abord dire que ce n'est pas tout le monde qui sort. Tout le monde ne sort pas.
il y a ce qu'on appelle le rêve naturel. Le rêve naturel, c'est que tout le monde rêve. Mais le rêve conscient, c'est ça qui permet les gens de sortir. C'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle la projection astrale, ils sortent consciemment de leur corps. Mais le rêve naturel, tout le monde rêve, ça ne me dit pas que tout le monde sort de leur corps. C'est ce que je voulais d'abord, dire en première chose. Ça veut dire quoi? Soyez clair. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans notre subconscience, nous pouvons voir des lorsqu'on images. Lorsqu'on dort. Lorsqu'on est endormi. Lorsqu'on est endormi, on peut voir dans notre subconscience des images. On peut voir. On voit avec quels yeux? On voit avec les yeux spirituels. Les yeux spirituels, parce que l'homme a double partie. L'homme a, je crois, tripartie. Donc, esprit, âme et corps. Les deux parties de l'homme, âme et esprit, est invisible. Mais le corps est visible. Mais les deux parties sont invisibles. Nous avons l'âme. Mais est-ce que vous voyez l'âme? Vous ne voyez pas. Expliquez-nous. Mais donc, ça existe. Donc ça veut dire quoi? C'est dans notre subconscient, nous pouvons voir les images avec l'âme. Notre âme, nous pouvons voir les images. Et ces images sont souvent données soit par Dieu, parce que Dieu nous parle pendant le rêve, soit par Satan, soit par notre propre vision de la journée. C'est-à-dire lorsque nous visionnons certaines choses. Bon, lorsque vous vous endormez, ça se passe comment chez vous? Quelle est l'expérience que vous avez tirée de vos sorties? Je n'ai pas dit qu'on sort, j'ai dit que tout le monde ne sort pas. Tout le monde a un rêve. Vous ne sortez pas? Je ne sors pas. Mais je peux voir, je fais des rêves, parce que dans mon subconscient, je peux voir des images. C'est comme un terrain de football. Lorsque vous êtes dans votre subconscient, c'est comme un terrain de football où quelqu'un peut venir jouer et vous regardez. C'est comme un acteur de cinéma. Il voit son propre film. C'est-à-dire, il a joué un film et il voit son propre film. D'accord. Ou bien on peut l'utiliser pour jouer un film qu'il va regarder. Merci. Et c'est comme ça que ça se passe dans le subconscient. Il y a le conscient et le subconscient. Et dans le subconscient, nous pouvons voir des images qui sont projetées soit par Satan, soit par Dieu, soit par nous-mêmes. On n'est même pas encore là-bas. Nous sommes encore ici dans la procédure. Maître Mustapha, vous êtes un grand sorcier, un ganga qui, certainement, à travers la plante Eboka, sort de temps en temps, hein? Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir au président des sorciers qui est peut-être à l'écoute de l'émission, qui est le docteur Bingono. J'aimerais vraiment dire aux Africains et à tout le monde entier qui nous suit actuellement que tout le monde rêve. Et le rêve est à 45% vrai. À 65%, c'est une réalité. Le cerveau est une bande cinématographique qui peut vous reproduire des films quand le macrocosme est de repos et le microcosme sort. Là, il y a projection. Veut dire quoi? Là, c'est trop d'expressions techniques. Je suis perdu. Les téléspectateurs, certainement. Bon, au fait, quand le corps physique est de repos... Là, une dame qui est couchée, là, certainement. Effectivement, quand le corps physique est de repos, quand le corps physique se repose... Le corps astral voyage et le cerveau peut propulser tout ce que vous avez vécu en longueur de journée. Ça, c'est le cas des paresseux qui rêvent être telle chose, ils ne veulent rien faire. Bon, les rêves dans nos travaux ésotériques. Non, pas la nuit, lorsque tu vas te coucher. La nuit, avant, je vous dis bien, pendant que vous êtes au repos. Sans être initié. Sans être initié. Ça se passe comment? Vous avez passé la longueur de journée à suivre peut-être un film d'horreur. Vous allez au lit. Le corps physique est de repos. Le corps astral est en voyage. Ça part où? Il est en voyage, il va part en voyage pour d'un point A à un point B pour... Tout à fait, tout corps voyage. Il va donc faire quoi? Tout corps se déplace du corps physique. Pourquoi? Tout corps astral. Tel objet de ce voyage. Il y a gens qui font... Si vous revoyez un peu les images, Nathan, où le corps physique est couché, vous allez voir un fil qui passe de la nuque, du front... Et prend la nuque de celui qui est sur le corps astral. Quand le filet est coupé, vous êtes supprimé du monde. Ça, c'est clair. Vous êtes supprimé du monde. On voyage pour aller où? On voyage pour ce qu'on recherche. On recherche quoi? Si moi, par exemple, moi, je suis guérisseur voyant. Si vous venez me voir et regardez bien le fil là. Vous coupez le fil qui lie le corps physique et le corps astral. Je vous dis, c'est la mort. Et il faut vraiment un homme initié pour vous ramener. Si on ne vous ramène pas, on est obligé de sortir. On est obligé de sortir pour un homme qui s'y connaît et qui se connaît. Tout le monde sort donc. Tout le monde sort. Même le pasteur Abou Karius.
Donc, pasteur Abou Skade sort. Allez-y dans les églises, vous allez voir comment ils sortent, ils possèdent les gens. Ils ne sortent pas. Ils passent le temps à posséder les gens dans les églises. S'il vous plaît, Nathan, tu n'as pas allez, allez-y, je peux vous donner une preuve qui est biblique. Allez-y. Donne-nous notre pain de ce jour. Bon, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez. Est-ce que ça entre avec le mystère? Ça entre avec le mystère. Lequel? On vous donne le corps. C'est une très mauvaise doctrine. Alors, vous dites que le pasteur Abou Karo sort, je ne vois pas. Il sort. Ce qui a pris votre... Je crois que j'ai trop fait des émissions avec Abou Karo à Asia TV. Il sort. On est toujours ensemble. On était toujours ensemble de minuit à 2 heures. Nous avons toujours fait des émissions ensemble. Il sort. Il ne faut pas qu'on se cache. Nous sommes tous des Africains. On ne doit pas se cacher. Est-ce que l'Africain est un homme différent du blanc? Laissez un peu Africain. Est-ce que l'Africain a 50 chromosomes et le blanc... Nous avons les mêmes chromosomes, Nathan. Nous avons les mêmes chromosomes, mais nous avons été bâclés par la tradition. Nous sommes dans le mystère des rêves. Oui. On ne va pas au-delà des invectives. C'est un débat responsable où le choc des idées contraste avec le poids des arguments. Pasteur, grand maître, hein, avant de passer la parole au pasteur, grand maître Eladj Amidou Faki, jusqu'ici, beaucoup de difficultés à cerner le sujet. On rappelle quand même que les techniciens de la psychanalyse seront certainement là la semaine prochaine pour l'aspect scientifique de cette thématique. Oui, mais je crois que nous sommes presque dans le même sens parce que tout le développement qu'on a fait ici, on a tiré déjà la leçon que tout le monde sort. Et le film que vous avez vu tout à l'heure, tout le monde sort. À la seule différence qu'il y a, les sorties préparées. Voilà le film que vous avez vu là, c'est la corde d'argent. C'est la corde d'argent, si ça se coupe, la personne. Donc tout le monde sort, Nathan. Il n'y a personne qui ne sort pas. Mais il y a des sorties préparées pour les initiés. Par exemple, moi, quand je veux faire une sortie où il faut aller spécialement rencontrer peut-être mes ancêtres, j'ai une chanson que je fais. Alors, quand je fais ça maintenant, je fais le voyage à ça, comme vous voyez là, pour entrer en contact avec mes ancêtres pour demander certains pouvoirs de guérison qu'ils vont me montrer et je vais réintégrer le corps physique que vous avez vu couché là. Avant de travailler. Alors, cette chanson se passe comment? Ma content d'abord, que n'a pas le vacant, oh, quand je fais ça, je prends mon sommeil et directement quelques minutes plus tard, quand je suis déjà dans le sommeil, ma grand-mère que j'ai invoquée pour recevoir cet message d'elle, elle l'apparaît et on cause comme si on était en vie. Donc tout le monde voyage à la seule différence qu'il y a le voyage inconscient et le voyage conscient. Le voyage aussi conscient, c'est ce qui se prépare. Il y a aussi des gens qui font le voyage inconscient au cours d'un accident. Quand quelqu'un fait un accident, il a le choc, il fait un voyage astral inconscient. Ceux qui se droguent également, qui prennent du chanvre, ils font aussi le voyage astral inconscient. Alors, le grand maître là, hein, le sorcier, lui a reconnu que les sorciers, comme son ami Koulimba, 40 ans de pouvoir, lui, il sort souvent avec les boucas. Oui, oui, c'est normal. Il y a des plantes. Même la mandragore, quand tu es initié à la mandragore, tu fais des sorties avec. Moi, je fais des sorties avec la mandragore, comme il peut utiliser des bocas. Comme même chez nous, encore dans le monde, nous avons aussi. Si on restait dans. Si on revenait sur le sujet inscrit à l'ordre du jour, le mystère des rêves. Alors ici, tout ce développement nous pousse à conclure que tout le monde sortirait donc. Exactement. Pour moi, tout le monde sort. Mais il y a des sorties conscientes et inconscientes. Merci. Apôtre Olinga, vous êtes entouré de ceux-là qui vous disent certainement que vous blaguez, vous êtes un Français et que vous ne pouvez rien. Voilà, ils peuvent sortir, s'amuser avec vous et vous fatiguer après. Je pense que, moi j'ai toujours dit, il y a des choses qu'il faut dire et à la suite des mots, il faut une pratique réelle. Parce que trop parler là, ça n'a pas de sens lorsqu'on n'applique pas ce qu'on a dit. Donc s'il faut parler de la pratique, moi je suis toujours disposé et prêt. Et je ne fais pas du mensonge et ne raconte pas du faux ici. Il faut que quelqu'un comme Fakir comprenne que lorsque les gens disent qu'ils préparent les rêves, et après la préparation, ils reçoivent des messages par le lien des ancêtres qui sont morts, c'est du satanisme. Origine des rêves, c'est votre question.
C'est ça. Donc, si nous parlons de l'origine des rêves, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent du diable, il y a des rêves qui viennent de la pensée de l'homme. Et si nous, par exemple, les rêves qui viennent de Dieu, vous allez voir que dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 12, le documentaire que vous avez monté même nous a parlé de ça. À la naissance de l'enfant Jésus, les mages sont quittés depuis l'Orient pour venir rencontrer l'enfant Jésus. Et ils devraient rentrer par Jérusalem pour rencontrer Hérode. Et Hérode avait déjà un plan monté pour tuer l'enfant Jésus. Mais la Bible dit que Dieu a apparu aux mages en songe pour les annoncer qu'il ne faut plus rentrer par Jérusalem de peur que Hérode prenne assez des informations pour venir tuer l'enfant Jésus. Donc Dieu parle aussi avec les marabouts, parce que c'était des magiciens quand même. Bon, nous disons ici que, oui, quand des on fakis. Parle... Oui, oui, c'était des fakis. C'était des fakis en fait. Mais il y a des fakis... Donc Dieu construit avec les fakis. Bon, il y a des magiciens, comme les fakis, si que Dieu ne peut pas les adresser les messages. Ah bon, vous comprenez que pour toi, Dieu doit suivre Dieu. Donc il faut le dire. Alors, les magiciens donc, sont partis voir Jésus. Les magiciens qui sont... des magiciens. Et quand on parle des mages qui sont partis voir Jésus, c'était des mages qui étaient convertis. Non, on c'est a pour dit ça qu'ils sont partis là. Des mages. Mais il faut nous... Et c'était des astrologues qui se sont appuyés sur leur science, l'astrologie, pour localiser l'enfant Jésus. Ils se sont appuyés sur la science astrologique pour l'occasion de l'enfant Jésus. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'étoile de Jésus brillait depuis l'Orient. Cela veut dire que c'était des gens qui avaient la capacité donc, de croire. Jésus, c'est une étoile. Hein? Jésus, c'est une étoile. Mais Jésus, c'est l'étoile brillante, non? Donc, on a des étoiles tous. Mais chacun d'entre nous... Donc, Fakir a souvent raison. Oui, Fakir a son étoile. Quand lui raconte ces choses ici, il a souvent son étoile. Mais il faut qu'on redise les choses dans le sens clair. Alors ici, je pose la question. Dieu a quand même inspiré les mages dans leur sommeil. Dieu collabore aussi avec les Fakirs. Dieu collabore avec des Fakirs convertis, pas des Fakirs anti-convertis. Ça, c'est clair. Et dans la Bible, Dieu n'a pas seulement parlé aux mages. Il a parlé à Joseph. Pour dire à Joseph, prends l'enfant et fuyez et aller en Égypte. Dans Genèse, vous avez parlé de l'origine des rêves, vous avez dit qu'il y a des rêves qui proviennent du malin, Satan. Oui. Et donc, qui serait à la solde, d'après vous dit. Justement. Vous avez dit qu'il y a des rêves qui proviennent de Dieu. De Dieu. Il y a des rêves naturels. Alors, ici, moi, j'ai posé une question en parlant de l'enfant Jésus. Mm-hmm. Ceux qui sont allés rendre à Jésus, c'était des fakirs, des mages. C'était des. Des fakirs convertis. Dans la Bible, on a dit qu'ils étaient convertis. Mais attends un peu. Lorsqu'on regarde la finalité, un magicien qui n'est pas converti ne peut aller donner les encens d'adoration à Jésus. C'est impossible. On l'appelle encore magicien s'il est converti. Mais lorsqu'il est déjà puisqu'il fallait qu'on ressache en réalité que c'était des gens qui étaient des magiciens et qui sont convertis. Merci. C'est pour ça qu'on a fait mention de son nom. Monsieur Moubitan, ici, on parle de l'origine des rêves. Il y a beaucoup de confusion. L'apôtre nous a amené dans la Bible, mais cette même Bible semble rattraper l'apôtre puisqu'on nous dit que Dieu a également... Inspirer les mages, les fakirs, les magiciens. Bien, alors, vous savez, il y a des magiciens de l'enfer, il y a aussi des magiciens du ciel. Ah, les magiciens. Bien sûr. Donc Dieu travaille avec des magiciens. Oui, je dis qu'il y a des magiciens de l'enfer. Même ceux-là, Dieu les utilise pour régler les comptes de ceux qui méritent ces comptes-là. C'est pour cela qu'on dit, il n'y a même pas de mal absolu. Maintenant, les magiciens du ciel, eux, ils ont les yeux, le cœur et la tête rivés vers le ciel. Ça veut dire vers ce qui est le plus élevé possible. Comme ils sont donc orientés totalement vers ce qui est le plus élevé possible, ils finissent par vivre l'expérience de l'enfant qui est né. C'est-à-dire ils finissent par rencontrer la lumière. Et c'est ce qui s'est passé avec ces mages du ciel. Alors, quand donc un homme décide de ne suivre que les choses sur le plan horizontal, il passera toute sa vie à faire des rêves uniquement orientés sur l'horizontal. Je voudrais parler encore une fois des pasteurs. Vous savez que la pastorale aujourd'hui, dans les églises qu'on appelle églises, tout le monde prie pour la nourriture, pour avoir une situation sociale, pour avoir le pain, pour avoir une femme, pour avoir un homme, pour avoir un enfant. Tout ça, c'est orienté sur le plan
je veux dire, c'est sur le plan horizontal. Est-ce qu'un lien avec l'origine des rêves? Oui, bien sûr. Bon, je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que des gens se mettent à rêver pendant qu'il est dans l'astral. Il rêve, par exemple, qu'il a gagné de l'argent. Hein? Le plus souvent, il se réveille et il trouve qu'il n'a pas d'argent entre les mains. Beaucoup de gens ont déjà vécu ce genre de choses. C'est dû à quoi? Au fait que pendant toute leur vie, que ce soit les prières, les rencontres spirituelles, leur parler de tous les jours, ils ne parlent que de l'argent, de l'abondance matérielle, de tout ça là. Ça fait donc que dès qu'ils s'élèvent dans le domaine de l'astral, ils vont aller uniquement vers les choses matérielles. Alors qu'il y a d'autres qui ne sont préoccupés que par les affaires du ciel. Ça veut dire qu'ils veulent absolument redevenir des divinités. Ceux-là ne rêvent pas, en quelque sorte, mais ils voient. Ils songent. Et c'est là où, quand on arrivera aux visions et aux songes, vous allez donc voir que quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut s'élever le plus loin possible, ne cherche même pas à rêver. Il laisse son corps naturellement au lit. Et il connaît les lois d'affinité qui vont faire en sorte que son corps astral sera attiré de manière naturelle vers les préoccupations qu'il a développées pendant toute la journée. Donc, le chercheur du ciel, le mage du ciel, ne cherche même pas à rêver, ne fait même pas des projections astrales, ne cherche même pas à se dédoubler, non. Il cherche à se transformer, à faire en sorte qu'il ne puisse plus vivre la vie des sens et de la chair, mais qu'il puisse faire ressortir en lui ce qui dort jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle encore, nos ancêtres appelaient cela, la potentialité universelle. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Emini, est-ce qu'on peut revenir sur les types de rêves? Voilà, et en faisant, bien sûr, un petit détour sur les origines même des rêves. Oui, nous pouvons dire que les rêves proviennent du fait que, d'un, on a tout mangé la nuit, vous comprenez? Cela va encastrer un peu la protéine, parce qu'il faut se dire une chose, c'est la protéine qui amène les uns les autres à rêver. La protéine? Oui, la protéine. Une révélation en plus. Qui amène les uns et les autres à rêver. Si vous bien rêver, quand la nuit, vous ne mangez pas beaucoup, on vous assure que vous n'allez pas faire de très mauvais rêves, même pas de cauchemars. Vous comprenez? Alors, si vous allez vous empiffrer avec des bagnocs, des machins, et ainsi de suite, vous allez entrer dans le bas astral et tout. Votre corps astral va entrer dans le bas astral. C'est mal, et puis vous allez rêver des gens, vous allez les gens qui vous pourchassent avec des éléphants, avec des machins, vous voyez. Alors, ça n'a rien à voir avec le divin. Non, ça n'a rien à voir avec le divin. Hein? Vraiment, nous regrettons beaucoup. Parce que les gens ne connaissent même pas. Ça veut dire que les passants nous trompent alors puisque Non, nous avons subi ici, nous avons un prêtre nous a dit ici que nous on était en train de dire des faussetés. Nous aimerions quand même dire à ce prêtre que, même à l'école, on a quand même appris que vraiment on vit. C'est-à-dire que Descartes disait, je pense, donc je suis ce que je pense. Donc l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il pense. Donc, que ce prêtre-là essaie de nous dire le contraire, ça c'est Descartes qui l'a dit. Donc, les pensées que vous avez là déterminent ce que vous êtes, déterminent même votre conscience. Vous avez dit quelque chose d'essentiel. Hein? Lorsqu'on s'empiffre avec les bâtons de manioc, les primes, les macabos, on va mal rêver. La nuit. On va mal rêver. Oui. Vous allez entrer dans le bas astral. Parce que ça détermine, ça va orienter vos protéines, ça va secouer un peu, ça va encastrer vos protéines. Et puis vous entrez dans le bas astral, puis vous allez voir des démons et tout. Vous allez dire, ah ben alors, des démons, non. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout aussi simple que cela. Merci. Voilà qui est détaillé. On mange des manioc, on mange des macabos, le bâton de manioc, le couscous, le tébé, le zom, tout ça. L'ondolé, la nuit, et voilà, on se retrouve dans le bas astral. On voit les démons partout. On est poursuivi partout. Je crois que c'est normal pour ceux qui ont compris qu'il faut vivre en regardant la terre. Mais pour des spirituels comme nous, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous ne sommes pas à la conquête du bien matériel parce qu'en Christ, nous le possédons déjà en nous. Donc on ne peut plus rechercher ce que Dieu nous avait donné. Ça, c'est clair. Mais bon, beaucoup de traditionalistes se sont livrés ici dans ce que je vais appeler ici une démagogie d'inclinaison. C'est-à-dire? Cela veut dire que
ils se sont tellement attachés à la tradition pour avoir un pouvoir maléfique de manipulateur, de manipulation. C'est comme M. Emini dit là, c'est vrai? C'est comme M. Emini dit, c'est pour ceux qui sont des traditionnalistes qui ne regardent que la terre. Parce que nous, nous regardons le ciel, nous les chrétiens. On regarde à Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont dans la bouche de l'Éternel. Il dit que lorsque vous mangez le manioc, on voit les démons et vous venez dire que ça sont les démons. Alors, non, moi je dis que c'est eux, au contraire. Donc tous ceux qui mangent beaucoup, quelqu'un comme moi, je n'ai pas le temps pour la nourriture. Donc, et en fait, il faut également dire. Il a quand même raison dans ce qu'il a dit. Il a raison. Il a raison parce que merci quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Il a très bien parlé que il y a des gens qui passent leur temps à mettre sous leur dent des macabos toute la nuit. Au moment de se concentrer et d'entrer dans l'esprit de méditation, ils se font des charges excessives. Ils commencent à rêver mal. Et ils vont automatiquement tomber dans la fourberie maléfique avec des mauvais rêves. On prend cette mais aussi, voilà, mais aussi. Beaucoup de gens, il y a une doctrine là-dedans. Maman Gisèle de Zurich, qui voudrait réagir, c'est une maman qui nous suit depuis des années, qui parle de cette vieille femme qui la poursuit chaque nuit. Alors, elle voudrait savoir si c'est parce qu'elle mange souvent mal. D'ailleurs, il paraît qu'elle a un très bon restaurant du côté de Zurich. Et c'est pas si elle a le macabo, là-bas, le manioc. Elle est poursuivie par une vieille dame chaque nuit. Donc, moi, je vais dire que pour elle, là, je ne pense pas que. Compte tenu de son honnêteté et de sa grandeur, qu'elle passe son temps à manger toute la nuit, je ne pense pas. Non, je elle est poursuivie. Je me dis qu'elle est poursuivie simplement parce qu'elle est attaquée par des forces maléfiques. Pomba. C'est tout. Elle attaque par des forces maléfiques. Oui, Pomba. Alors, monsieur Emini, cette maman, sa maman Gisèle, vous connaissez certainement, elle réagit beaucoup depuis Zurich. Elle dit qu'elle est poursuivie par une vieille maman de temps à autre. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle mange les macabos, le ndolé, le coq là-bas? Non, nous ne faisons pas l'exorcisme. Nous ne pouvons pas dire... parce qu'il faut se connaître son environnement et tout, pour pouvoir dire de quoi il est question. Donc, vous savez, quand vous rêvez beaucoup, il faut savoir que vous êtes encore attaché à la matière. Ça, c'est réel. On ne doit pas beaucoup rêver. Non, c'est-à-dire que quand vous êtes beaucoup attaché à la matière, parce que nous devons laisser la matière, l'homme n'est pas matérialiste. C'est-à-dire que la matière doit nous servir de moyen et non de fin. Oh, quand vous vous focalisez, c'est-à-dire que cette matière est pour vous un objectif, hein, vous focalisez tout, c'est-à-dire tout ce que vous faites comme effort est focalisé sur la matière. Mais les rêves vont suivre encore. La matière, c'est le matérialisme. Vous aimez les choses de ce monde, de tout ce qui est. Mais monsieur Emini, vous avez une belle voiture, voilà. Et c'est pas la matière, ça, monsieur Emini. Non, on ne s'attache pas à la voiture. La voiture est un moyen de transport. Quand vous ne venez pas au vélo. La voiture est un moyen de transport. On ne s'attache pas à la voiture. Hein? On ne s'attache pas à la voiture. Parce que pourquoi vous attacher... le choix de ces 4x4? Pardon? Pourquoi le choix de ces 4x4? Comme vous n'avez pas un petit taxi. Non, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous attacher à la main. Nous devons utiliser les véhicules comme un moyen de transport qui nous permet à faire quelque chose. Alors, pourquoi vous n'avez donc pas pris... voilà. Non. On a une trottinette. On n'a pas de 4x4. On a une trottinette. Donc... quand on grimpe les collines, on descend, on pousse, et puis quand on descend, on entre dans est-ce la trottinette. Est-ce que vous prenez un discours cohérent, monsieur? Très cohérent. Alors, question. Les types de rêves. Oui, quand vous êtes attaché à la matière, vous êtes matérialiste, mais vous allez faire des rêves en conséquence de votre attachement à la matière. Parce que c'est ça qui va déterminer ce que vous allez produire, les hormones que vous allez produire la nuit, qui vont déterminer votre protéine, votre protéine. Vous avez tenté de dire, ça que je parlais de la cohérence de votre discours, qu'il y a des temps où on peut prendre des maladies dans les plans akashiques ou bien dans l'astral, comme le cancer. Alors, est-ce que les pasteurs ici n'ont pas raison de dire que ce sont ces démons qui nous attaquent la nuit et qui se matérialisent en journée? D'ailleurs, on dit que tout ce qui est scellé dans la nuit se réverbère en journée. Non, vous savez, l'homme est quand même très complexe. Hein. Les pasteurs ne peuvent pas avoir accès. Hein. Par exemple, parce qu'un pasteur ne connaît pas la formule, si vous voulez, la formule astrale d'un individu. Ça, non. Ça, ce sont les individus qui s'ouvrent aux pasteurs, qui reçoivent des miasmes des pasteurs et qui tombent malades. Hein. Les individus reçoivent des miasmes
des démons des pasteurs et tombent malades. Les transferts. Les transferts, bon. Alors, Abou Karyo, c'est pasteur. Vous êtes vous n'avez pas la forme de lâcher les démons. Nous parlons de rêves. Merci, apôtre. Nous parlons de rêves et ce petit jeu vient de payer. Nous parlons de rêves et on se rend compte qu'il y a même une formule de sortie. Et vous n'avez pas cette formule. Et c'est vous qui transmettez même les démons aux fidèles. Oui, mais lui peut dire tout ce qu'il peut dire, mais le pasteur n'opère pas avec les démons. Ce sont les sorciers qui opèrent avec les démons. Les maîtres qui sont sur ce plateau, même M. le ministre, eux qui opèrent avec les démons. Mais les pasteurs opèrent avec l'Esprit Saint. Est-ce que vous connaissez la formule? On n'a pas besoin de formule. Lorsque vous opérez avec l'Esprit Saint, Dieu ne nous parle pas les rêves. Et quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous allez, ce sont les démons qui vont vous donner des messages. Alors, pasteur, on a quand même vu, je parcours aussi la Bible, Neme Tekel Iparzi. C'est lorsque Nebuchadnezzar a été frappé, on a eu ce doigt qui est venu écrire une formule, Neme Tekel Iparzi. Oui, mais il a écrit une formule, et il fallait des alors, ça veut dire que Dieu opère aussi avec des formules. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous êtes connecté avec Dieu, vous avez la connaissance de Dieu par Jésus. Pasteur, vous connaissez cette formule? Lorsque Dieu devait punir le roi Nebuchadnezzar, ça a été expliqué dans la Bible. Il y a un roi qui est venu dire mais ça a été expliqué. Quand Dieu fait. Pourquoi cette formule? Dieu parle en parabole. Dieu parle en parabole. Dieu parle avec des signes. Dieu parle de toute manière. Dieu parle même dans les rêves et dans les songes. Avec les formules. Dieu peut parler avec des formules. Je suis en train de. Je suis sur des formules démoniaques. Pas des formules démoniaques. Je suis sur ce plateau. Je suis sur ce plateau. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Est-ce que vous connaissez la formule de sortie de votre corps? La formule de sortie dans monsieur le vous a mis à défi, dit que vous ne connaissez pas. Majesté Fodom, bonsoir à toi, Majesté. Alors, est-ce que vous connaissez la formule pour sortir de votre corps? Ceux qui ont des formules pour est-ce sortir. Est-ce que vous connaissez? Je vais m'expliquer. Ceux qui ont des formules pour sortir de leur corps travaillent avec les esprits de balance. Ils vont vous parler d'initiation. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est Dieu qui les utilise. Quand il veut et comme il veut. C'est-à-dire, ce n'est pas moi à moi de faire des formules pour sortir. Vous avez la formule. Lorsque vous, la seule formule que j'ai pour sortir, c'est de me nourrir. Mais nourrir avec quoi? De la parole de Dieu. Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous serez nourri pas avec les macabos. Ce n'est pas les macabos là. Ce n'est pas ça qui nourrit l'homme. Ce n'est pas ça qui nourrit l'astral. Ce n'est pas ça. C'est ce que vous avez. Vous nourrissez avec la haine, la méchanceté, avec tout ce qui est désordre. Et c'est quand vous allez dormir, tous ces désordres vont venir dans votre circonstance. Un pasteur qui vous appuie. Bonsoir King Nathan. Le rêve se caractérise par un ensemble de phénomènes se produisant au cours du sommeil. Pasteur, lui, de la RDC Bokeya. Alors, je voulais chuter. Oui, vous chutez. Je voulais chuter pour dire ceci. Comme les fakirs, tout cela, et qu'ils partent rencontrer leur maman dans le songe, ils travaillent avec des démons. Et quand vous continuez à travailler, vous allez souvent faire des projections astrales et pour rencontrer ces personnes-là. Souvent, vous partez là et quand vous rencontrez une personne plus puissante que vous dans ce monde-là, il peut vous frapper, vous revenez avec cette maladie. D'accord. C'est ce que vous voulez dire. Merci. On rappelle qu'on sera plus scientifique dans nos prochaines productions. D'ailleurs, tous ceux qui ont envoyé des réactions pour décrypter leurs rêves, on décryptera vos rêves, on entrera en profondeur dans cette thématique. On a juste déblayé le chemin. On salue le fan club massif qui nous a suivis depuis la Guérite et bien sûr à toutes et à tous ceux qui nous ont suivis de par le monde. Monsieur Mibitan, on aura 20 secondes à chacun pour donner une conclusion partielle sur cette thématique. Un autre boulevard de pensée. Oui, alors là, je dis qu'on ouvre un vaste champ de réflexion. Je crois que c'est un thème qui risque de nous amener très très loin. Je pense qu'il fallait absolument choisir ce thème qui d'ailleurs se situe en droite ligne du totémisme. Parce qu'on aura l'occasion même de temps en temps d'effleurer cet aspect parce que nous continuons, c'est une progression. Et je suis sûr d'une chose, quand nous allons faire les rêves, et même les différents rêves, ensuite quand nous allons approcher la vision, nous allons approcher le songe. Au fur et à mesure, je crois qu'on serait de manière inconsciente en train d'amener les gens dans le royaume des sorciers. On donnera même des formules, mais monsieur le sorcier, des formules de sortie du corps. 30 secondes. J'ai juste une formule de sortie du corps. Pas pour ce moi. Soir. Gardez la formule. Tout à fait. Le plus souvent, quand je veux me coucher, quand je fais n'importe quoi, je récite juste un verset du Coran à Ouzoubillahi Minas
Shaitan Radim. S'il vous plaît, on va arrêter là. On va arrêter là. Nous allons arrêter là, puisque ici, nous avons de manière rationnelle circonscrit les intervenants sur ce plateau. De peur d'être encore frappés, nous accueillons ici ceux qui peuvent supporter le débat. Si vous m'amenez ces livres-là, vous ne ferez plus partie de mon panel. Merci, parce que on dit lorsqu'un serpent te mord, tu vois le mille pas, tu as peur. Monsieur Emini, nous continuons naturellement avec notre thématique la semaine prochaine, les rêves. Oui, les rêves, il faut se dire une chose, nous sommes d'avis avec tout le monde que tout le monde rêve, parce que ça prouve que nous avons des corps invisibles que nous ne connaissons pas, et ces corps nous permettent de saisir la réalité invisible. Parce que l'homme est visible et invisible. L'homme mène une existence visible et une existence invisible. La semaine prochaine, on entrera dans le vif du sujet. Apôtre Olinga. Ok, à mon niveau, comme la Bible dit, je crois qu'il y a des rêveurs et qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu et ceux qui viennent du diable et ceux qui viennent des hommes. Et même Sartre a prouvé qu'il y a des rêveurs, il y a des rêves. Et même Nietzsche a confirmé cela. Donc je continue à penser qu'il y a des rêves. Cependant, ceux qui font des rêves maléfiques ont besoin d'être délivrés. Gloire à Jésus. Merci. Grand maître Elhadj Hamidou Fakir, vous habillez comme un fakir aujourd'hui, certainement. Après l'émission, vous allez vous envoler. Non, Nathan, je suis encore là. Et le thème est très bien parce que je crois, avec le temps, quand on va entrer en profondeur dans les rêves, on aura même déjà la voyance, les visions, tout ça. Et ça va donner beaucoup de vérité dans la pratique ici sur ce plateau parce que on dit souvent que l'exemple vaut mieux que la leçon. Je crois prochainement on va passer à des expériences en entrant en profondeur et comment ça se passe le voyage à ce point, le dédoublement que chacun de nous. Le mystère des rêves, c'était le thème première sortie de cette thématique dont les jalons ont été posés à travers cette édition zéro. Mesdames, messieurs, l'émission au cœur des mystères, c'est tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun. La rediffusion est prévue 13h heure du Cameroun vendredi. Et pour ceux qui aimeraient naturellement suivre cette émission, Daniel Fugueux et toute l'équipe technique, Stéphane Akono, parfait Ndongo nous a accompagnés sans oublier la dynamique équipe Nananananja et bien sûr tous les uns et les autres qui se sont mobilisés autour de ce projet pour donner une émission de qualité. Rassurez-vous, le volet scientifique sera pris en compte la semaine prochaine. Agréable suite des programmes sur Vision 4 et surtout ne zappez pas rediffusion des dinosaures de l'information. C'est tout à l'heure. Endogènes, comme qui par exemple dans ce plateau. Oui. Oh my God, Monsieur Nathan, je crois qu'on a besoin de gens comme Fakir. Vous voulez dire Fakir? Oui, parce que la tenue de Fakir effraie ce soir. Je t'assure que si tu n'es pas courageux, comme nous là, Fakir est dangereux. Ok, donc la mission évangélique de la délivrance du progrès délivre tous ceux qui sont influencés par des forces maléfiques, tous ceux qui sont tenus captifs et qui se rendent compte que l'obscurité est en train de les amener à l'involution. Alors nous sommes là avec la grâce et l'onction de Dieu et la parole de Dieu pour rendre ministère dans leur vie afin qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière. Est-ce que vos prières impactent vraiment sur les gens que vous suivez puisqu'on retrouve les mêmes gens chez les marabouts et tout ça là? Bon, c'est difficile que ce dont nous suivons à la mission évangélique de la délivrance du progrès, ce sont des gens qui ont fait tous les tours, qui ont parcouru beaucoup de milieux maléfiques, qui sont allés chez beaucoup de marabouts, qui ont fait beaucoup de rites traditionnels. Sont partis chez Fakir? qui ont fait beaucoup de rites traditionnels, mais jusqu'à là, rien n'a changé. Alors, ils sont venus au niveau de la cathédrale de la délivrance du progrès, ils ont été impactés, ils sont restés fidèles, ils sont attachés. C'est pourquoi nous avons des années qui naissent un peu partout, par la grâce de Dieu, parce que les gens voyez le changement de la parole que nous les prêchons. Alors, on peut dire que vous êtes situé où là? Nous sommes situés. C'est très important aussi. Nous sommes situés sur quartier ensemble, juste à l'entrée du garage japonais. Donc à 50 mètres, c'est là où nous sommes basés. Et nous avons d'autres annexes. Mais si quelqu'un veut véritablement. Alors, moi, je poserai une question, celle de savoir, vous pouvez délivrer Fakir? Je continue à dire que Fakir, c'est quelqu'un que Dieu aime et Dieu va l'amener à la hauteur et il sera libéré.
Merci, Dieu l'amènera à la hauteur et il sera libéré. On va saluer également la présence des réservistes qui viendront également nous apporter beaucoup d'eau et bien sûr de rafraîchissement dans ce riche panel, Pasteur Abou Karios et Maître Mustapha, le grand sorcier, qui m'a dit en off qu'il a fait pas mal de voyages à Scro et qu'il est rentré aujourd'hui pour proposer le meilleur de même. Comme on vous le disait, une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, on ne manquera pas de souligner l'équipe, la cellule d'écoute critique qui regarde de très près ce que nous faisons. IA est basée à Londres et au quartier Bassot à Yaoundé, géré de main de maître par Mister T. On va marquer un autre arrêt. Question de rentrer dans le vif du sujet ensemble, suivant cet élément qui nous a été proposé par une voix, bien sûr, que nous avons empruntée du côté de Satellite FM. Les rêves sont des pensées ou des images mentales se produisant pendant le sommeil. Depuis la nuit des temps, aussi bien des serviteurs de Dieu que des hommes qui ne lui étaient pas attachés eurent tous des rêves. Certaines écritures parlent des rêves venant de Dieu, notamment de la Bible. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6, il est dit, je cite, « Puis Jéhovah leur dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a au milieu de vous un prophète, je me manifesterai à lui à travers des visions. Je ne lui parlerai qu'en songe. » Il existe également des rêves dits naturels. Job, chapitre 20, verset 8, nous parle d'un rêve envolé qu'on ne retrouve pas, d'un fantasme de la nuit qui fuit au petit matin. Par ailleurs, d'aucuns parlent des rêves mensongers venant du malin. Le prophète Jérémie nous informe dans son livre au chapitre 20, verset 8 à 9, que depuis longtemps, des prophètes sont venus avant nous et lui ont annoncé pour beaucoup de pays et pour de très grands rois, la guerre, le malheur et la peste. Il continue en disant que si un prophète annonce la paix, il faudra que sa parole se réalise pour qu'on sache qu'il est l'envoyé de Dieu. Les rêves évoquent donc tous les aspects de notre vie. Ils peuvent nous laisser entrevoir l'avenir, nous fournir des suggestions pour une guérison ou tout simplement nous éclairer dans nos relations interpersonnelles. C'est d'ailleurs à travers les rêves que les astrologues, les trois mages venus rendre visite à Jésus, ne retournèrent pas vers Hérode qui avait des intentions meurtrières. Au cœur des mystères marque donc ce attention, Marcel Tungi qui nous a emprunté sa voix depuis Satellite FM, une entité du consortium de presse internationale L'Anecdote. Et rassurez-vous, après chaque fin de série, bien entendu, des émissions, vous aurez naturellement la synthèse de toutes ces émissions qui sera bien sûr un travail de maître de Marcel Tungi, Satellite FM. Ce sont naturellement les innovations de votre production, sans oublier la minute qui sauve. Sans plus tarder, comme vous l'avez si bien entendu, nous parlons du mystère des rêves. Et le premier jet va à l'endroit du grand maître Mubitan. On parlait des rêves. Vous avez suivi ce magnifique reportage de Marcel Tungi. Je voudrais vous poser une question simple. Qu'est-ce que le rêve? Bien, alors, le rêve, pour comprendre ce que c'est que le rêve, il faut d'abord essayer d'appréhender ce que c'est que la réalité.
Il n'y a qu'une seule réponse à l'échec, c'est bien sûr la victoire. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission préférée. Une belle balade cognitive tous les jeudis lorsqu'il est 21h sur la 4, Vision 4 Télévision et la chaîne africaine où les grandes questions contemporaines sont naturellement disséquées à la lumière des spécialistes venus de différentes répartitions géographiques du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier pour honorer de leur présence à ce cocktail de réflexion, à ce festin intellectuel, culturel et culturel. Comme je m'allais dire, c'est le choc des idées, le poids des mots. Attention, mesdames, messieurs, pour cette autre sortie de votre émission sur la 4, une nouvelle thématique qui s'annonce palpitante, émouvante, super captivante et surtout pour les amoureux de la connaissance. On dira tout simplement une odyssée au cœur de la réflexion. Avant de mettre les pieds sur l'étrier, permettez-moi, comme me l'impose la politesse, d'installer confortablement mes chers invités. Je vous reviens juste après pour la suite du programme. Retour sur ce plateau, l'émission est baptisée « Au cœur des mystères », une grande première dans le prisme audiovisuel mondial, une émission qui se veut naturellement un centre de formation, l'épicentre de la connaissance. Alors, fidèles téléspectateurs, prenez naturellement des notes, tout simplement, car les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est une sagesse africaine qui nous l'impose, cette logique. Ils sont confortablement installés sur cette tribune Lumière Vérité. Je vais accueillir ces défenseurs de la lumière, ces défenseurs de la vérité. Mokola Bombo, bonsoir et bienvenue. Mokolemba, 40 ans de pouvoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir aux Africains, bonsoir au monde entier qui nous écoute. Je dis bonsoir comme ça là au fan club depuis Garoua, depuis Bédois et partout dans le Cameroun. Bonsoir au plateau et aux réalisateurs de cette émission. Alors, dans votre mysticisme, je ne dirais pas sorcellerie, parce qu'un sorcier est forcément un jeteur de sorts. Alors, vous qui avez pour totem la chèvre, votre chèvre vous a aidé en quoi cette semaine? Oui. Vous avez soigné combien de personnes avec nous avons données par votre chèvre? Nous avons aidé beaucoup de personnes. C'est vrai que notre chèvre aussi nous a parlé que nous aurons un deuil. Nous avons perdu l'un des plus grands footballeurs de la région de l'Est, Rabah Madjer, pour ceux qui le connaissent, international cadet, il a été sélectionné 2 fois. Il est mort le 6 de ce mois et il s'est levé vendredi. La chèvre avait la... Alors, votre chèvre vous dit que vous aurez aidé. Oui. Est-ce qu'elle ne vous a pas donné des mesures palliatives? Est-ce qu'elle ne vous a pas aidé à sauver ce Rabah Madjer? La mort, c'est la réalité des choses. Tout le monde sait qu'il va mourir. Et puis, quand on te met dans un régime où il avait l'infection, et puis on lui dit qu'il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas faire un certain nombre de choses, et qu'il a fait cela, bon, il est mort. Ça ne veut pas dire qu'on va bloquer le destin, ce que Dieu a choisi. Donc, que son âme repose simplement en paix. Merci, que son âme repose en paix. Si on pouvait parler avec votre chèvre, je ne manquerais pas de lui dire un bonsoir à cette chèvre qui vomit le feu. Votre mais toi, il est partout là où je suis. D'accord, il est là dans ce studio. Il est ici dans ce studio. Ok, merci. On voit qu'il perd Jean-Jacques, il est exorciste. Il nous vient bien sûr d'une tournée du côté de la Damawa. Bon retour, Père Jean-Jacques. Vous êtes exorciste, prêtre de l'Église catholique orthodoxe. Merci, Nathan Amogo. Bon après-midi à vous-même. Bon après-midi à tous mes chers compagnons ici présents. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Je voudrais naturellement saluer toute la population de Ngaoundéré. Il faut dire que je reviens de Ngaoundéré où j'ai passé pratiquement une semaine là-bas. D'ailleurs, j'étais logé chez le lieutenant-colonel à Mombo, qui est de ce côté-là.
qui nous a offert beaucoup de bonnes choses de ce côté. Donc, je voudrais le saluer particulièrement. C'est un plaisir pour moi d'être de vous cet après-midi. Alors, cette soirée, j'ose croire que nous allons édifier autant que cela se pourra nos téléspectateurs sur la chose spirituelle. Parce qu'à un moment donné, on peut opposer le rêve à la réalité. Ça veut dire que le rêve représente donc une réalité qui est encore virtuelle, qui n'est pas encore apparue de manière tangible, de manière perceptible par le commun des mortels. Maintenant, il y a aussi le rêve qui représente une aventure d'une partie de notre personnalité qui se promène dans l'environnement qui lui est adapté, parce que le corps, l'homme, comme il n'est pas seulement un être physique, il a un aspect physique, certes, pour préhender les choses physiques, il a aussi un aspect vital pour pouvoir vivre dans l'espace vital. Il a aussi ce qu'on pourrait appeler un corps de rêve qui lui permet effectivement de vivre dans le domaine, ce qu'on peut appeler encore le domaine du rêve, mais le domaine de la terre. En un mot, comme en mille, pour le premier jet, qu'est-ce qu'on retient du rêve? Alors, ce qu'on retient du rêve, c'est donc une aventure qui se projette dans un espace qu'on pourrait appeler un espace astral, hein, un espace qui n'est pas, si vous voulez, physique, qui est hyper physique, mais qui se situe au-delà de ce qu'on appelle la vitalité, mais avant ce qu'on appelle aussi le mental. Merci. On rappelle que les réactions uniquement par SMS au numéro qui s'affiche au bas des petits écrans. Rassurez-vous que vous avez mentionné le code indicatif si vous réagissez au-delà de nos frontières, comme nos amis depuis l'État du Texas, nos amis de Washington DC, nos amis d'Allemagne, d'Angleterre, de la France et bien d'autres pays, encore Haïti, pourquoi pas, avec naturellement le grand maître Guy Fauché qui est en train de mettre sur pied la loge rouge ici même au Cameroun. Guy Fauché, qui est 99e degré de l'ordre des grands bâtisseurs de Melchisedec. C'est l'une des francs-maçonneries les plus pures, d'après ses dires. Alors, M. Emini, nous parlons de rêve. M. Mbutan a déjà émis son premier jet. Quelle est la lecture ou peut-être la définition que la Rose Croix d'Or a chopée par ce mot rêve? Oui, s'agissant des rêves, il faudrait faire très attention parce que on parle. C'est encore dangereux. Non, c'est pas dangereux. On parle de rêve et on parle de songe. Donc, il faut pas confondre les deux. C'est vrai, ça a tendance, on a peut-être tendance à les confondre. Mais nous disons que les rêves nous rappellent tout simplement que l'homme n'a pas seulement le corps physique. C'est-à-dire que quand on parle de rêve, il faut bien se le rappeler. L'homme a quatre corps. Nous avons un corps physique, nous avons un corps vital, un corps qui nous donne la vie. Et puis nous avons un corps astral, c'est ce corps-là que généralement on utilise la nuit, et c'est ce corps-là qui nous sert à essayer de prendre conscience d'un certain nombre d'événements, comme l'a dit notre ami, dans l'astral, c'est-à-dire que c'est un corps astral. Et maintenant, après ça, nous avons un corps mental qui est encore embryonné, parce que c'est le corps mental qui est le corps de l'âme, donc il faudrait construire ce corps. Donc, le corps astral. Alors, l'image que nous voyons là, c'est quel est le corps astral? Quel est le corps physique? On voit une liaison directe. Merci à Daniel Fugueux pour tout ce qu'il fait pour l'émission au cœur du mystère. Oui, mais le corps physique reste couché, généralement la nuit. L'image là, on voit comment l'image là. Oui, mais c'est pas vraiment une bonne réalité parce que le corps astral ne peut pas se présenter ainsi. Parce que quand on est couché, il y a ce qu'on appelle la division, l'homme se divise. Hein, le corps astral, le corps physique et le corps éthérique restent en bas. Et maintenant, le corps astral va dans l'astralité de la Terre, si vous voulez, dans l'astralité de la Terre. Mais il faut noter une chose. Si vous voulez, on fait ce voyage-là presque chaque nuit. C'est-à-dire qu'on sort, oui. On voyage chaque nuit. Oui, vous sortez, votre corps astral doit sortir. C'est pour ça que Jésus avait dit dans la Bible, il ne faut pas croire que l'homme se nourrit seulement du pain. Mais l'homme, il y a une nourriture astrale qui doit nous servir, hein, et généralement le corps astral va chercher cette nourriture astrale dans l'astralité de la Terre. Mais cela va dépendre de ce qu'on a eu comme pensée. On sort chaque nuit. C'est pour ça que vous êtes fatigué, parce que vous avez utilisé toute votre vitalité astrale. Vous êtes obligé de dormir. Et quand vous dormez, le corps astral sort.
Ça, c'est évident. C'est, tout le monde le fait. Même les chats, les chiens, tous ces phénomènes-là. Merci pour ce premier jet. Pasteur Apôtre Olinga, on sort chaque nuit. Qu'est-ce que le rêve? Vous sortez aussi? Ok, avant d'arriver à cette question-là, je vais dire que le rêve, c'est la série des images ou des représentations qui traversent l'esprit de l'homme lorsqu'il est endormi. Et cependant, nous savons qu'il y a des rêves, comme disait M. Emily tout de suite, que lorsque le corps physique est endormi, pour certains, les esprits sortent. Et quand ces esprits sortent, ça va se balader. Il n'a pas émis une réserve. Il a dit de manière péremptoire, nous sortons tous chaque nuit, y compris vous-même. Non, moi je ne sors pas tous les nuits, gars. Honnêtement. Donc il faut que, parce que lorsqu'on reçoit des rêves, il peut arriver que Dieu accomplisse une théophanie dans ta vie. Ça veut dire que pendant que ton corps physique est endormi, l'esprit de Dieu te saisit et te montre une série des images sans déplacer ton esprit. Alors, il a parlé ici de songes et de rêves et de visions. Est-ce que vous pouvez établir une différence entre les trois entités? Bon, les rêves, c'est lorsque quelqu'un est profondément endormi dans sa chair, son subconscient saisit par le voyage astral, comme disait, des éléments... Ah, le voyage astral. Comme disait, oui, des éléments qui lui permettent également que lorsqu'il se réveille, il se rappelle que j'ai fait un rêve. Il est quand même sorti. Il est quand même sorti. Donc vous sortez chaque jour? Bon, moi j'ai dit que ça dépend. Mais moi je sors quand je veux. Lorsque je prie, l'Esprit de Dieu peut me saisir. Au cœur des mystères, c'est la vérité. Oui, oui, j'ai dit je sors quand je veux, puisque je suis élevé spirituellement. Aucun spirituel ne peut dire ici sur ce plateau qu'il ne peut pas sortir. Lorsqu'on est initié, et même pour voir certaines choses à distance, on a besoin de faire des prières et l'Esprit de Dieu nous transporte et nous amène à l'étranger. Donc, monsieur Emile a raison qu'on sort chaque nuit. D'un côté, il a raison, parce qu'il y a d'autres qui sortent pour aller faire le mal et d'autres sortent pour aller faire du bien. Ok. Merci. Bon, maintenant, s'il faut parler de songe, Nathan, avant de chuter. Oui, songe et vision. Songe et vision. Ici, les visions, c'est lorsque quelqu'un est éveillé et l'Esprit de Dieu l'amène à voir des choses invisibles, mais étant éveillé. Et ces images commencent à se balader devant lui. Ça, ce sont des visions. Donc, on les voit, c'est quelque chose d'une fraction de seconde, tu vois quelque chose. Et après, ta conscience revient en toi, mais tu dis, mais qu'est-ce que je vais de voir? Ça, c'est le cas des visions. Maintenant, les songes, c'est lorsqu'on est légèrement endormi, légèrement éveillé, on reçoit un message, on reçoit une révélation, on reçoit une orientation par rapport à un certain nombre de choses. Merci. L'émission est uniquement interactive par le canal des courriels, uniquement des SMS. Au numéro qui s'affiche au bas du petit écran, mentionnez le code indicatif du Cameroun, plus 237, suivi des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, on parle ici des rêves. Vous les initiez. Vous aimez brandir cette étiquette. C'est pas si c'est pour faire peur aux gens. Monsieur Minia a été clair qu'on sort tous les jours. Oui, Laurent Balagoué pense que le rêve, c'est quoi? Oui, le rêve, c'est la réalité. Je suis même derrière M. Emini, parce que le rêve, c'est la réalité. Tout le monde sort dans la nuit, même comme l'apôtre a voulu discuter encore. Mais en réalité, parce que tous les êtres humains, tout le monde qui respire, qui a en lui le souffle de vie, doit sortir dans la nuit. On sort mystiquement? Ce n'est pas mystiquement. C'est-à-dire, ça dépend de la manière dont l'homme, l'être humain, on l'arrange dès le départ, dès sa naissance. Si on t'a orienté pour détruire, pour faire du mal. On n'est pas encore là-bas. Oui. Nous voulons comprendre d'entrée de jeu qu'est-ce que le rêve. Rêve. Est-ce que tout le monde rêve d'abord? Tout le monde rêve. Parce que celui qui ne rêve pas, c'est un cadavre. C'est-à-dire? Il est mort, il ne respire plus. Mais celui qui respire, qui vit encore, doit rêver. Doit rêver. Parfois, ça peut te montrer des événements. Ça peut te montrer des choses qui vont arriver. Donc vous sortez chaque nuit? Moi, je sors chaque nuit pour aller chercher ce que je dois travailler par rapport au cas que j'ai à gérer. Avant de dormir, j'ai prié d'abord. Tu pries qui? Je prie Dieu, parce que c'est lui. Quel qui Dieu? Est Dieu, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est au ciel. Celui-là même qui est au ciel, ce n'est pas le Dieu qu'on prie dans les églises réveillées. C'est le Dieu qui est au ciel. C'est le Dieu de la chèvre. Alors. Oui.
c'est lui que je prie. Le Dieu de la chèvre, c'est lui que vous priez. Oui, le Dieu, celui qui a initié la chèvre, celui qui a placé la chèvre là-bas, c'est lui que moi je prie. Et quand je prie, il m'oriente, il me montre les événements qui vont arriver demain ou après-demain. C'est, il me dit déjà ce qui va arriver. Je sors dans la nuit, tout le monde sort dans la nuit. Et c'est pour ça que donc, quand tu sors souvent, il t'arrive souvent aussi d'aller un peu faire la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. D'aller jouer dans la nuit. Tout le monde a deux esprits. Tout être humain a deux esprits. Il y a l'esprit charnel, c'est-à-dire le corps qui reste, comme on a montré tout à l'heure, et il y a l'esprit qui sort dans la nuit. Vous voulez parler du corps et de l'esprit? Oui, le corps et l'esprit. Tout, l'esprit sort dans la nuit et le corps reste. Tout le monde, tous les êtres humains, même si c'est qui respire sur terre, que ce soit les présidents de la République, que ce soit voilà, ça, tout le monde, lui. Voilà, c'est comme ça que tout le monde doit rester dans la nuit. Et l'autre corps part pour aller se balader, pour aller chercher, parce que tu ne peux pas rester là. Si tu restes là, ça veut dire que tu es déjà quelqu'un qui est mort. Parce que quand tu quittes là, tu pars une fois. Mais il y a certains même qui partent et qui ne rentrent même plus. Qui restent, oui, qui ne rentrent pas souvent. Il part aller où? Il part aller. Quand c'est un sorcier, celui-là qui a fait la sorcellerie, qu'on veut peut-être bloquer son corps, on vient mettre les remèdes sur ce corps. Donc on peut mettre les remèdes sur le corps, oui, quand vous sortez? Oui, on peut mettre les remèdes. Ça c'est dans quand la sorcellerie. Quand c'est dans la sorcellerie, on met les remèdes dans ton corps. On sait que c'est toi qui passes ou on fait la sorcellerie, peut-être dans tel endroit. On regarde ça dans les visions des initiés, regarde. Et on sait que c'est toi qui sors souvent pour aller faire la sorcellerie. Et maintenant, on compose des remèdes et puis on frotte sur toi. On bloque l'esprit. Oui, quand tu pars là-bas à la sorcellerie, en rentrant maintenant, tu viens trouver que ton corps est gâté. C'est arrangé. Tu ne peux plus entrer dans ton corps. Maintenant, tu as deux corps maintenant. C'est pour ça que tu vois souvent, certains gens tombent souvent, on attend qu'il est tombé dans une toiture, c'est monté, c'est descendu. Merci. Mon père, vous faites beaucoup d'exorcismes. Ici, on rappelle quand même que nous devrions avoir aujourd'hui un professeur de psychologie et un ethnopsychiatre qui devait également nous accompagner, Nathan Toby. Qui devait nous accompagner dans nos prochaines éditions sur l'aspect scientifique et technique. Rassurez-vous, il sera là. Alors, mon père, Père Jean-Jacques, on parle ici des rêves. Oui, merci Nathan Mougou. Rassurez-vous, ils seront une fois de plus servis. On va accueillir grand maître militant. Il est grand maître d'une école traditionnelle des mystères initiatiques africaines. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan. Bonsoir à tous ceux qui cherchent la vérité. Et je voudrais transmettre un bonsoir particulier à M. Ebongé, un chercheur inlassable de vérité. Je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs de Ngoro et d'Obala. Merci Monsieur Ebongé qui nous a toujours accompagnés. C'est un aîné qui aime bien sûr ce que nous faisons depuis des années. Il a accompagné l'émission lorsque c'était encore l'embryon radiophonique. On va accueillir grand maître Ella Djamidou Fakir. Il est habillé comme un vrai fakir, un vrai mystique. Bonsoir grand maître, bienvenue. Merci, bonsoir Nathan. Bonsoir à tout le panel. Un bonsoir très particulier à Sa Majesté Ibrahim Bobondjua, roi sultan de Bamoun. À Sa Majesté Tchétché Bokoko Rodrigue, roi des Tifs, tout ce qui suit cette émission avec beaucoup d'attention. Au fan club qui vient de se créer à Ouagadougou, il y a également un nouveau fan club qui s'est créé à Douala, au niveau de la nouvelle Bonateki, face Université de l'eau, où je serai même déjà avec eux dimanche. Également à tous les membres du SIAP et à tous mes pères traditionnels qui m'ont beaucoup suivi depuis la mort de mon papa jusqu'à nous dans le plan initiatique. Merci. L'émission est là et nous allons apporter tous nos efforts pour édifier le monde entier. Merci, grand maître Ella Djamidou Fakir, dont le style vestimentaire aujourd'hui s'apparente à ceux des vrais sorciers que nous voyons dans les films. Mais là, ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Pourquoi cet apparat? Vous vous en voulez avec ça? Ah oui, ben je suis un initié, je suis habillé en fakir. Tu peux toucher? Ah oui, il n'y a pas de problème. Okay. Je suis habillé en fakir hindou. Ah oui, c'est la tenue du vénérable maître en Inde. Alors, je suis habillé en cette tenue juste parce que je suis spirituel et je viens édifier tous ceux qui nous suivent. Merci. On va accueillir un autre panéliste, un autre chercheur de lumière. Lui, c'est un chrétien
D'après ses dires, il est également Jésus-Christien, c'est la Rose Croix d'Or, Lectorium Jésus-Christianum, une école de mystère. Ils utilisent la Bible tant bien que mal, et de l'autre côté, ils sont également des grands initiés qui cherchent un retour efficient et efficace à la patrie originelle. Monsieur Emini, bien le bonsoir. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à la technique, bonsoir à tout le panel. Il ne faut pas dire que nous cherchons la lumière, nous voulons devenir la lumière. Vous avez déjà prouvé la lumière. Nous devons devenir la lumière parce que la lumière, elle est à nous. Donc, il suffit seulement qu'on s'apprête pour pouvoir être, pour pouvoir fusionner avec cette lumière-là. Donc, nous devons devenir la lumière. On ne cherche pas la lumière, mais on devient la lumière. Voilà. On devient la lumière. Oui. Alors, malheureusement, la thématique à l'échange sur le tétémisme a été conclue la semaine dernière. Forcément, on y reviendra dans d'autres productions. Monsieur Mini, qui n'a pas été là depuis deux éditions, peut quand même refaire une conclusion. Oui, nous voulons dire tout simplement que on a été interpellé par quelques téléspectateurs. Qui nous ont demandé pourquoi on parlait de totem, on dit que Jésus est un totem et tout et tout. On leur a dit, les gens qui le disent ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Parce que, et même, vous avez pris un exemple dans la Bible en disant que Dieu a créé Satan. Donc il faudrait dire que tout ce qui est dans la Bible nous concerne au plus haut point. Parce que c'est des choses spirituelles qui doivent se passer en nous. Raison pour laquelle on est tous interpellés par la Bible. Donc, nous sommes très interpellés par tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la Bible, parce que ce qui se passe dans la Bible n'a jamais été le passé. C'est tout simplement un présent vivant. Donc, nous devons vivre tout cela et pour que nous redevenions des lumières hein, dans ce bas monde. Donc, voilà à peu près ce que nous aimerions dire. Par rapport au totem, il faut dire une chose. Jésus ne saurait être un totem parce que le totem représente, si vous voulez, représente un aspect très inférieur par rapport à l'élévation. Ça a été compris, merci. Jésus ne saurait être un totem. Alors, apôtre Olinga, c'est un tireur d'élite. Bonsoir, apôtre Olinga. Vous êtes le leader de la mission évangélique de la délivrance et du progrès. Bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre, sans oublier la communauté italienne qui se prépare ardemment pour mon arrivée. Également, nous voulons saluer... Vous serez en Italie bientôt. Très bientôt. Au cœur des mystères à porter des fruits. Justement, au cœur du mystère porte beaucoup de fruits, il faut le dire ainsi, parce que c'est une plateforme qui permet à ce qu'un grand nombre de personnes reçoivent l'édification d'une manière en direct. Et nous venons également dire un bonsoir à la communauté tchadienne parce que là-bas, nous avons une grande assemblée. Le pasteur Auguste Tarda qui nous suit actuellement. Bonsoir à toi. Merci. Alors, pourquoi mission évangélique du progrès? Bon, la mission évangélique de la délivrance du progrès, c'est une révélation. Vous délivrez quoi? Vous progressez où? Nous délivrons premièrement tous ceux qui sont tenus captifs par les forces.